Chili. Après une bonne journée de boulot, j'ai besoin de prendre un bon bain chaud. Voilà, c'est pas compliqué, mon bain chaud. J'ai passé 15 heures au boulot aujourd'hui. Oh, c'est dur, dur de gagner des millions. Et parfaitement, c'est dur. Oui, c'est dur de gagner des millions. Hein? La concurrence, elle est sévère. Puis je suis pas tout seul sur le marché. Hein? Oh, tu pourrais commencer à t'investir un peu moins, non? Oh, investir un peu moins. Avec les responsabilités que j'ai, tu parles. 5 usines, 10 000 salariés. Rien. Des abrutis en plus, ils comprennent jamais rien. Alors, tu parles. T'as un exemple. Non, mais t'as un exemple. L'autre jour, je leur propose le 13e mois. C'est pas généreux, ça? Eh bien, tu vois pas qu'ils me réclament le 14e maintenant? Mais de toute façon, tu es toujours contre ce qu'ils te demandent. Oui, mais j'en suis fier. Mais c'est un principe chez moi, parfaitement. Moi, j'en suis fier. Moi, je suis anti-35 heures, anti-augmentation de salaire, anti-grève, voilà. Et puis même, vous savez quoi? Je trouve que 5 semaines que j'ai payé par an, c'est trop. Voilà. Oui, parce qu'au 19e, non, mais rigolez, au 19e, hein, les salariés, ils faisaient rien. Hein? Oh, ils se contentaient de travailler un peu, bon, et puis un peu d'absence. Voilà. Là, le peuple, là, on était beaucoup plus heureux. Hein. Mais si c'est si terrible que ça, va à l'entreprise. Place l'argent et profite pleinement de la vie. Bon, voyons. Alors on bazarde tout, puis on va vivre sous les cocotiers. Et pourquoi pas? Je l'imagine. À mini-slip sur la plage. Anti-sieste, anti-bronzage, anti-crabe. Mais la calculette à la main, il raconterait au vaillé, devinez quoi? Des histoires de SICA, des plus-values monétaires. Les pauvres filles, elles se suicident le jour même. Non, mais très drôle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pas fait pour cette vie-là. Voilà. Bon. Ne rien foutre toute une journée. Oh, j'en ai froid dans le dos. T'es une fois, une seule fois, tu te rappelles, tu m'as traîné en vacances, là. Au Maroc, je crois. T'en souviens? Oui. Moi aussi. Bon. Eh ben. Hein? Franchement, c'était tellement bien que tous les matins, il me fallait un calmant. Voilà. Puis alors, entre nous. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça peut être con, la mère? Elle avance. Elle recule. Et c'est même pas ce qu'elle veut. Voilà. Non, mais c'est vrai. T'as vu les yeux des poissons, en plus? Tous ronds. Non, mais c'est ridicule. Tu m'étonnes que les poissons, ils chopent la nausée avec toute cette flotte qui bouge sans arrêt, là. Philippe. Et puis entre nous. Oui. Plus con que la mer, à que la montagne. Ah non, mais c'est vrai, c'est posé comme un gros tas, là, comme ça. Ça empêche de faire les routes droites. Moi, je te dis, si un jour je suis au pouvoir, je fais tout raser. Toutes ces montagnes, je les fais raser et je m'en sers pour combler les océans. Au moins, ça sera tout plat et le transport aura tout à gagner. Ah. C'est fini. On peut parler sérieusement. Ah, parce que parler du boulot, c'est pas sérieux. Je me fous de ton travail. Je me fous de toi. Et je me fous de nous. Ah, écoute, hein, tu vas pas recommencer tous les soirs, hein, parce que là, franchement, ça devient pénible. Mais ça fait des mois que je recommence tous les soirs. Des semaines, Philippe, que je te dis que j'en ai marre. Encore hier, à 22h12, Philippe, exactement, je te demandais de régler le problème. Tu entends? Rapidement. Mais écoute, on parle d'autre chose, hein, s'il te plaît. Voilà. Ah, mais ça me plaît pas. Comment il faut te le dire, hein? Moi, pour moi, c'est une affaire réglée, voilà. Mais tu es inconscient. Bon. Elle est peut-être réglée pour toi, mais pas pour moi. Arrête, voilà. Arrête. Oui. C'est ça, arrête. Et tu crois que je vais arrêter? Non. J'attends. Alors,
Tu as pris une décision, alors? Écoute, je t'en prie, laisse tomber. Je t'en prie, laisse tomber. Non. J'attends. J'attends ta réponse. Je ne veux pas divorcer. Voilà, je ne veux pas divorcer. Enfin, une réponse qui n'élude pas la question. Pourquoi? Enfin, chérie, tu le sais bien. Pour toujours la même raison. Je t'aime. Mais non! Un homme qui travaille 15 heures par jour ne peut pas aimer sa femme. Mais quand il rentre le soir, il ne sait même plus parler. Tout juste bredouiller à boire. Très drôle. Philippe, je veux divorcer. Bon, écoute, Catherine. Dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Alors c'est vrai qu'à certains moments, moi je peux comprendre qu'on ait des doutes. Mais je n'ai pas de doutes, je n'ai que des certitudes. Mais ça fait un an qu'on fait chambre à part, tu trouves ça normal? Évidemment. Enfin, chaque personne a besoin d'un peu d'intimité. Hein? C'est vrai. Tiens, par exemple, toi, tu adores lire au lit. Oui. Bon, mais c'est bien, moi je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Voilà. Mais c'est vrai. Et puis tu as besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Eh bien oui. Et bien moi, avec 4, c'est assez. Voilà. Philippe. Oui. J'aimerais que nous divorcions à l'amiable. Mais certes, on a fait un bon chemin, un long chemin ensemble, main dans la main. Mais maintenant, on marche côte à côte, les bras le long du corps, et on ne se tient plus jamais la main. Jamais. Oh, tu as toujours tendance à dramatiser. Franchement, c'est pas si grave que ça. Hein. Mais regarde-nous. Et souviens-toi de ce que nous étions au début, Philippe. On n'avait pas un sou, mais on s'aimait. Oui. Et on voulait avant tout réussir notre vie de couple. Mmh. Et après, mais bien après, réussir socialement. Oui, mais je ne veux pas divorcer. Voilà. Ouh, c'est pas vrai. C'est à cause du fric, c'est ça? Oh, mais qu'est-ce que tu as encore inventé? Ah, je ne voulais pas aborder ce sujet, hein. Mais tu m'y obliges. Tu as un grand problème avec l'argent. Tu supportes bien qu'il rentre. Mais tu ne supportes pas qu'il sorte. Comme tout le monde. Mais non, pas comme tout le monde. Quand il s'agit de dépenser, mon Dieu, ce mot dépenser, on dirait qu'on lui arrache le cœur, le foie, la rate et les poumons. Oh, de plus en plus drôle. Tu me prends pour une imbécile, hein, c'est ça? Je te rappelle que nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Et que si nous divorçons, le partage, c'est 50-50. Alors monsieur dit qu'il m'aime. Mais bon sang, si je te le dis, mais c'est parce que c'est vrai. Bien sûr. Ah. Écoute. Quand on partage, c'est autre chose. Quoi qu'il arrive, tu m'entends? Jamais, jamais, jamais. Tu ne sais pas ce que tu me demandes. Tu t'en rends même pas compte de ce que tu me demandes. Mais non, tu sais même pas ce que l'entreprise représente pour moi. Tu t'en fous, toi. Tu es de la petite bourgeoisie, alors évidemment. Mais moi, je suis bien en dessous, moi. Oui, parce que figure-toi qu'à 15 ans, moi je travaillais le jour. Et j'étudiais la nuit. Et aujourd'hui, le prêt-à-porter Chabrier, c'est pas ça. Bon, eh bien, c'est connu dans le monde entier. Voilà, je suis millionnaire. Nous sommes millionnaires. Oui, enchanté, un peu de lucidité, hein. Donc, tu oublies que si nous avons démarré, c'est parce que j'ai fait un héritage, qui a été notre première mise de fonds. C'est de là que tout est parti. Oh, tu parles d'un héritage, toi? 15 000 euros. C'est pas avec l'argent de madame qu'on serait allé bien loin, sans mes idées à moi, mes idées. Nos idées. Parce que je te rappelle qu'au début, nous avons travaillé ensemble et que j'ai eu beaucoup d'idées. Écoute, Catherine, même si je voulais te donner ta part, ben je ne pourrais pas. Oui, parce que figure-toi que la somme est trop importante et tout est investi. Tout. Pas plus rien. Je m'en fous. J'exige mon argent. Non! Philippe! Non! J'exige mon argent! Non et non et non! Philippe! Non. Bien, tu l'auras voulu!
J'appelle mon avocat. Tu refuses le divorce à l'amiable. Oui. Je me passe de ton consentement et je lance la procédure de divorce. Mais il n'en est pas question. Donne-moi ça. Philippe, non. Arrête, laisse-moi non. téléphoner. Non. Philippe, tu arrêtes. Tu arrêtes. Enfin, on peut parler gentiment quand même, non? Ça fait des mois qu'on parle en vain. Écoute, Catherine, il y a forcément un terrain d'entente. Hein? On s'est tellement battu pour avoir cette affaire. Hein? On y a mis tellement de nous. Tu te souviens? Oh, quelle bagarre! Bon, et... Que, comment te dire? Viens, viens t'asseoir, viens. Allez, viens t'asseoir là. Et là. Voilà. Écoute. Bon. Allez, je dois le reconnaître. C'est vrai, tu as eu souvent de bonnes idées. Surtout la pub, d'ailleurs. Ah si, c'était ton truc. C'était ton truc, ça, la pub. Hein? Non, non, c'est vrai. Et puis bon, c'est vrai pour l'histoire de tes 15 000 euros. C'est vrai qu'on n'en serait peut-être pas là. Hein? Bon, mais... Mais tu sais bien comment je suis, j'ai dit ça, parce que je me suis énervé. Tu sais bien comment je suis quand je m'énerve. Oh, le monde est passé ma pensée. C'est tout. Hein? J'essaie de t'expliquer. Tu comprends? Sans compter que cette usine, tu vois, on n'a pas eu d'enfant. Non, bon, alors cette usine, c'est un peu notre bébé à nous, hein? Voilà, sans compter que, tu comprends... Évidemment, tu m'aimes. Eh bien, j'appelle mon avocat. Bon sang de bois, mais bon sang, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ce pognon, hein? T'offrir 3 000 paires de godasses, 5 000 robes, hein? Mais qu'est-ce qu'on en fait, oui, après? Donne-moi oui, ça. Parfaitement. Plus 365 manteaux de fourrure. Mais oui. Parce que si j'ai envie d'en changer un chaque jour, même l'été sur la plage, ça me regarde. Mais donne-moi ça. Non. Donne-moi ça. Philippe. Non. Philippe, laisse-moi téléphoner. Philippe, laisse-moi. Arrête. Bon, écoute, Catherine, je me suis énervé, d'accord, mais je te promets, je vais changer. Oui. Si, je te promets. C'est ça. Ben merde. Allô? Maître Lomont? Oh, j'appelle. Bonsoir, maître. Madame Chabrier à l'appareil. Oh, je vous prie de m'excuser pour l'heure tardive. Bien sûr, bouquet, pas 22 ans. Mais c'est pour un rendez-vous. Oui. Malheureusement, une affaire bien banale. Tu parles, c'est mon pognon. Un divorce. Demain 17h. Quoi déjà? Ah, mais parfait, maître. Non. Bonsoir, à demain. Écoute, Catherine, bon, si tu veux divorcer, je peux pas t'en empêcher. Ça, on est d'accord. Mais enfin, pour l'argent, on a besoin de personne. Hein? On peut s'entendre entre nous. Hein? Mais comment? Comment? Oui, comment? Et si je t'offrais 10%? 50-50, c'est la loi. Tout le monde. Excusez-moi. Non, alors. 15%? Plus le bateau, alors. Non. La maison. La maison en Sologne. Hein? Tu l'aimes, cette maison? Allez, ne te fatigue pas, Philippe. Demain, je rencontre mon avocat. Et dorénavant, eh bien, c'est avec lui que tu discuteras. T'entends quelqu'un? Non. Eh bien, va ouvrir. Ben, va ouvrir. Ben oui. Macho. Aidez-nous. Qu'est-ce qu'ils ont à nous importuner? Sur le canapé, là-bas, sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je montais chez moi, ben, je l'ai vu crouler devant votre porte. J'ai entendu du bruit, je suis sorti, j'habite un parc dans l'enfance. Oui, là, je sais, oui, mais enfin, franchement, c'est crouler devant notre porte. Hein? Les gens, alors? Mais je le connais, il loge au 6e, mais vous aussi. Les chambres de bonne, oui, complètement différentes d'ici. Hein. Mmh. Mais je vous dis 100 fois de passer par l'escalier de service. Ah. L'escalier central n'est pas pour vous. Voilà. Oui, c'est qui arrive, tout à l'heure de perturber. Là. C'est ça. Monsieur, ça va, monsieur, allez-y.
Mais ça va, mon frère. Mais pose pas une question pareille, tu vois bien que ça va pas. Vous auriez pu le hisser jusqu'à chez lui. Ah. Mais oui, quand on croupit dans une mansarde, c'est pas parce qu'on est mourant qu'on peut se permettre d'ériger une famille respectable. Ah. Vraiment, il va pas bien. Je suis là aussi. Tiens, je vais pas bien. Ah, pas bien du tout. Je ne supporte pas toutes ces choses vulgaires. La misère, le chômage, la maladie. Je suis sensible, beaucoup trop sensible. Excusez-moi. Allez, réveillez-vous, hein. Ouh. Ah, bien sûr. Il y a une lettre. Ah, faut-on voir ça. À ouvrir après ma mort. Et il n'est pas mort. Quoi, oh, ça va pas tarder. Alors, seul, sans argent, j'ai décidé de mettre fin à mes jours, devant la porte de mon voisin du dessous, le célèbre homme d'affaires Chabrier. Oh, t'as raison, il y a 10 étages, c'est chez moi. Afin de stigmatiser l'indifférence de notre société pour les plus défavorisés d'entre nous. Nous, quel con, alors. Oh. Il faut appeler un médecin, tout de suite. Stop. On ne panique pas, on réfléchit. Et tu peux m'expliquer? Semblable. Pas paniquer. Je panique, moi. Regarde, il y a un tube là, qu'est-ce que c'est? Attends, fais voir. On ne sait pas avec ça que tu crois compris. Et, va pas lui faire de mal. Tu es médecin? Oh, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir ça. Bon, alors j'appelle. Le téléphone tout de suite. Ah, vous, ça suffit, hein, maintenant, ça va devenir une véritable catastrophe. Vous n'êtes pas compte, vous? La majorité des gens qui s'habillent avec le prêt-à-porter Chabrier sont des personnes de condition modeste. Voilà. Alors si l'une d'entre elles vient s'écrouler devant notre porte, que ça vient se savoir dans les journaux, dans les 3 jours, les ventes s'écroulent. Voilà. Non, mais enfin, vous voyez pas que cet homme est perdu comme un étranger dans la nuit? Un étranger dans la nuit. Strangers in the night. Exchanging glances. Oh! Arrêtez de chanter! Ouverture d'esprit veut pas dire fracture du crâne. On va quand même pas le laisser crever pour préserver vos ventes. Et pourquoi pas, hein? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Un pauvre type qui apporte rien à personne? Ou alors un PDG, hein, qui fait vivre des milliers de salariés? Ils sont malades. Non mais j'hallucine là. Oh mais rassurez-vous, hein. On va pas le laisser mourir. Bon, il suffirait juste que vous oubliez l'affaire de la lettre. Hein, vous reconvertissez le truc en, je sais pas, affolé par son geste, ce minable serait venu s'écrouler à notre porte, et nous, les Chabriers, l'aurions secouru généreusement. Voilà, ça c'est de la pub. Hein, mon mental est gratuite. Seul problème, c'est que je ne pense pas comme lui. Ou plus exactement, je pense tout à fait comme lui. Et qu'on vit dans une société de pourris. Et il faudrait peut-être penser, hein, davantage au malheureux qu'à votre image de marque. Hein? Non, mais mon image de marque. Mais qu'est-ce que vous croyez, hein? La répartition des richesses aussi. Hein, tant qu'on y est. Voilà. La répartition des richesses, oui. Soutrez la répartition. Tant qu'on y est. Non, mais vous croyez quoi? Hein? La répartition des richesses. Qu'est-ce que vous croyez? Vous prenez le patronat, hein, avec tout ce qu'on a mis, les années qu'on a mis à amasser tout ce qu'il y a, qu'on va vous en faire un cadeau, hein? Non, mais s'il vous plaît, ça serait tout à votre honneur. Bon, voyons. Je ne comprends pas, moi, aujourd'hui, qu'on puisse ne pas avoir honte d'être bourré de fric à ce point. Honte? Mais j'en suis fier, moi, d'être riche. Parfaitement. Parce que l'ouvrier, ça travaille que 8 heures par jour. Un PDG, ça travaille 15, 16 heures par jour. Voilà. Et vous comprenez ma fortune, moi. Je la mérite. Je la mérite, ma fortune. Pire, j'ai jamais entendu. Eh ben, vous méritez rien du tout. Rien du tout. Parce que
pour en arriver là, vous avez exploité mais des milliers de travailleurs. De quoi? Enfin, un peu moins. De quoi? Je n'ai exploité personne, moi. Moi, je me suis contenté de suivre l'ordre naturel des choses. Voilà. Oui, parce que figurez-vous, un ouvrier, c'est fait pour travailler. Un patron, c'est fait pour gagner du pognon. Voilà. Alors. Ah non, mais vraiment, mais... J'ai jamais entendu chose aussi grotesque. Eh ben, je vais vous dire, moi, monsieur Marseille. Et je vous le dis bien, bien en face. La ferme. Mort, c'est sûr? Non. Allez, regardez. Respirez profondément. Respirez. Ne faites rien, il est beaucoup trop tard. Calmez-vous, je vous dis, respirez. Laissez-moi. Respirez. J'ai froid. Attendez, il a froid. J'ai chaud. Là, il a chaud. Allez, moi j'appelle. Ah, stop. T'appelles personne. Hein? Parce que moi, quand j'étais gosse, j'avais un grand-oncle qui a essayé de se suicider au moins 4 ou 5 fois. Bon, alors moi, maintenant, je sais ce qu'il faut faire. On a de l'alcool à 90 ? Oui. La ferme. Bon, on a la teinture jaune ? Oui. Bon, allez, hop, tu vas m'aider, on va la mettre dans la chambre. Si vous permettez, je peux faire reprendre le restant des cachets. J'ai pas dû en prendre assez. Oui, mais votre avis, on n'en a rien à foutre. Non, monsieur Moret. Arrêtez de dire des bêtises, on va vous sortir de là, vous voulez, hein? C'est qu'un mauvais moment à passer. Mais je ne veux pas en sortir, je veux pas en sortir. Oui, mais c'est comme ça, on a commencé de vous sauver, on va jusqu'au bout, et puis fermez-la. Ah, vous ne lui parlez pas comme ça, vous, hein? L'esclavage en France est aboli. Si vous continuez comme ça, moi, j'appelle les flics. Les flics? Ah, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez dans une manière difficile ou quoi? Hein? Allez. Bon. Ça va, ça tourne pas, monsieur. Je peux savoir au fait pourquoi vous êtes venu vous écrouler devant ma porte? Hein? Oh, faudrait mieux de s'occuper de lui avant, non? Mais vous êtes débile profonde ou quoi? Puisque je vous dis qu'il risque rien. Bon, alors vous, pourquoi devant ma porte? Par deux fois dans l'ascenseur, je vous avais dit que j'étais à la retraite avec une toute petite pension ridicule. Oui, bon. Et je vous avais demandé de me trouver quelques heures par-ci, par-là. Ah oui? Vous avez dit oui. Voilà. Et puis plus rien. Ah bon? Dans l'ascenseur? Vous vous rappelez plus? Si. Bon, allez, on y va. Allez, hop. Prochain coup, fera le criquet. Allez. Monsieur Chabrier, je vous préviens que s'il y a le moindre souci, votre image de marque, aussi grande qu'un confetti. Oui, d'accord, mademoiselle Lénine. Tu es sûr de ce que tu fais? Mais oui, je suis sûr. Allez, merci, tu peux nous laisser maintenant. Il vous demande de rester parce qu'il a peur que je vous vole vos bijoux. Oh, vous, ça va, hein? Votre agressivité, ça commence à bien faire. Oh, pardon. Excusez-moi, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous prie. Vous le connaissez, ce bonhomme? Oh, vaguement, je le rencontre à l'entrée, à l'ascenseur. Il me dit bonjour, ça va? Je lui réponds, ça va, et vous? Et il me fait merci, très bien. Et il avale les comprimés. Relation habituelle de bon voisinage, quoi. Je vous offre un petit remontant. C'est pas de refus. Enfin, une phrase toute simple. Je me demandais si vous étiez capable de parler autre chose que de la lutte des classes. Remarquez, si vous êtes naïve, ça va vous occuper encore un peu de temps. Après, il faudra sérieusement passer à autre chose. Au rhumatisme et surtout au regret de votre vie gâchée. Dites, vous avez remarqué que toutes les deux on s'est aussi croisées dans l'ascenseur? Ben oui, et je sais que vous êtes fonctionnaire. Je vous demandais ça parce que vous, les gens riches, moi j'ai l'impression que vous avez du mal à voir les pauvres. On n'est pas un peu transparent pour vous?
Mademoiselle. Oui. Vous commencez à m'emmerder. Super ce whisky. Il a dû coûter un max. Oui, il coûte un max. Et c'est pas avec votre salaire de fonctionnaire que vous pourrez vous payer le même. Ah, ça y est, ça s'arrange. Il est en train de vomir. Oh, tu pourrais nous épargner ce détail, non? Bah, quoi, je vois pas comment on pourrait le dire autrement. Hein. Bon, enfin bon, de toute façon, on le garde ici cette nuit. Hein, parce que si on le laisse seul, cette andouille est capable de recommencer avec des médicaments beaucoup plus costauds. Et surtout après avoir écrit que j'étais un horrible affameur de retraité. C'est pas vrai. Si, si, c'est vrai. Vous êtes contente? Et mademoiselle, vous remarquerez que mon mari s'est montré efficace. Et que sans médecin, monsieur Morin semble sorti d'affaire. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser, hein, parce que votre mari agit en pensant d'abord à ses intérêts. De toute façon, les gens de votre milieu pensent toujours d'abord à eux, ensuite encore à eux. Écoutez, mademoiselle, demain, je mets mon divorce en route et ça me perturbe. Et là, vous allez pouvoir toucher mon égoïsme du doigt, parce que de votre révolution. Mais j'en ai rien à foutre. Vous voyez comme ça, comment sont les riches devant les problèmes de l'amour? Exactement comme les pauvres. Je suis désolée, je ne savais pas. Et c'est grave pour vous ce divorce? Mais vous n'allez pas tout de même vous apitoyer sur le sort d'une femme riche, imposée sur les grandes fortunes, si? Méfiez-vous! Mais ça pourrait vous traumatiser sérieusement. Et ça pourrait même lui donner envie de gagner de l'argent et de laisser tomber sa révolution. Vous vous rendez compte, mademoiselle? Votre conversation deviendrait aussi fade qu'une escalope de veau aux hormones. Vous tracassez pas, va. Tout ce qui vous arrive est votre fric. J'en ai rien à cirer. Amen. Bon, il y a un fil de pyjama. Je peux le voir. Ah, j'espère qu'il va nous foutre la paix cette fois. Hein. Est-ce que je peux le voir? Oui, c'est par là. Première à droite. Merci. Dis-moi, tu es sûr qu'il est hors de danger? Mais oui, j'en suis sûr, oui. Parce que si jamais il y a un pépin, hein. Ah, il aurait avalé des carambars, ce serait pareil. Et puis je te dis, il n'y en aura pas de pépin. Hein. Ces médicaments de bonne femme, ça c'est efficace. C'est incroyable cette histoire. Ah, ah oui, un voisin qui vient mourir sur notre palier pour manifester contre la société. Alors celle-là. Avouez que c'est aussi inutile que de demander à Air France de plus faire grève. Ah, de toute façon, ce type est un crétin, c'est tout. Mais toi, tu vois des crétins partout. Oui, ben il vaut mieux prendre tout le monde pour des cons, parce qu'au moins comme ça, on se trompe rarement. Ah. Eh bien, tu sais, Philippe, si l'on mettait un point rouge sur la tête de tous les cons, oui, le monde entier serait un véritable champ de coquelicots. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh. Il s'est endormi, mais d'un seul coup. Ah, tu vois? Dites, vous pouvez me donner la lettre? La lettre? Mais oui, celle où il explique pourquoi il a voulu mourir devant votre porte. C'est pas parce qu'il est toujours en vie que l'affaire est réglée, hein? Et ça pourrait bien intéresser les médias. Ah oui. Ça devrait sûrement les passionner. Ouais. Mmh. Seulement voilà. Je sais pas comment ça s'est fait. Hein, malencontreusement. Par hasard. Et je l'ai avalé. Ah bon? Je vois. Bon, et bien puisque tout est réglé, je vais me coucher. Ah bon? Tu dînes pas? Non. Ah, et tu m'as préparé un truc? Non. Ah, bon, c'est pas grave, je me débrouillerai. Par contre, ce qui concerne ton rendez-vous de demain, j'aimerais que tu... Et moi, je n'aimerais pas. C'est toujours demain, à 17h. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Dis donc, vous, là, vous avez l'intention de passer la nuit ici ou quoi? Oh, écoutez, moi, c'est la première fois que je me trouve dans un appartement de milliardaire. J'en profite. Je me croirai au zoo. Ah ouais? Ouais, mais ça tombe bien. La visite est terminée et la sortie, c'est par là. Dites, la présence de pauvres dans votre appartement vous dérange à ce point? Je fais tâche. Vous n'allez pas m'obliger à vous foutre dehors, hein? Bon. Dites, je bloque côté neurone. Ou vous n'avez personne pour vous préparer la bouffe? Ah.
Ah non. Non, j'ai personne pour préparer la bouffe. Et parce que je vois pas pourquoi je paierais quelqu'un à préparer la bouffe alors que j'en ai une qui ne donne rien de toute la journée. Alors là, on revient au temps des cavernes, hein. Il vaut mieux que je vous quitte. Comme dit mon curé, salut. Stop. Pardon. Stop. Bon, bien compliqué à comprendre. Peut-être vous pensez vous adresser à un de vos salariés. Ah non, 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 moi je parle pas à mes salariés. Je paie quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. Je vous écoute. Je voulais juste vous inviter à partager mon apéritif. C'est pas un ordre, hein, rassurez-vous. Des états d'âme. Des noix de cajou. C'est pas de refus, je prends ça pour de la récupération. Bon, c'est un peu calorique, mais quoi, ça agrandira un peu ma surface de caresse. Vous cherchez à me draguer, peut-être? Non, mais arrêtez de raconter des conneries. Nous on veut de draguer. Dites, vous faites quoi dans la vie, vous, déjà? Fonctionnaire, syndiqué. Célibataire. Ah oui? Et fonctionnaire en quoi? Oh, je vois pas pourquoi je développerai, vous vous en foutez. Ah oui, ça, complètement. En tout cas, moi, professionnellement, oui, je me suis toujours comporté correctement. Tandis que vous... Quoi, moi? Vous avez réussi, oui, mais en étant malhonnête, et ça, tout le monde le sait. Oui, mais c'est que vous ignorez sûrement, madame la fonctionnaire, hein, c'est que pour devenir riche alors qu'on démarre au bas de l'échelle, eh bien on peut pas devenir riche honnêtement. Voilà, on peut pas. Et vous trouvez ça normal, vous, hein, de mener les entreprises à la faillite et de les racheter pour une bouchée de pain? Ben, évidemment. Hein, les magouilles, les mensonges, hein, tout ça, ça fait partie du monde des affaires, hein. Ah si, d'ailleurs, la justice est d'accord avec moi. Ah si. Bon, alors. Un petit morpillon qui pique un scooter en 6 mois de tôle. Voilà. Un grand patron qui accuse 1 million. Demi. Deux. Hein, de trous dans son compte. Oui. Eh bien, il est mis en examen, c'est tout. Oui. Ah. Excusez-moi. Ah! Monsieur Morin, comment ça va? Oh, moyen. Je m'excuse de vous déranger. J'ai besoin d'un verre d'eau, je suis complètement desséché. De l'eau maintenant. Oh, vous étouffez, vous, hein? Dites, oui. Vous savez que vous m'avez flanqué une sacrée trouille, hein, quand même, hein? Oh, je suis confus. Je voulais pas vous ennuyer, vous. Nous avons toujours eu des rapports de bon voisinage. Oui, c'est ça. Tandis qu'à moi, hein, vous vouliez ma peau. C'est ça. Oui, oui. Et bravo pour le petit mot, hein. Ah, ça, c'était bien. Les médias seraient tombés dessus. Bonjour le carnage. Et au fait, où est cette lettre? Il l'a avalée. Hein? Ben oui, moi, je suis comme ça. J'avale tout ce qui sent pas bon. Voilà. Et puis, entre nous, hein, vous pouvez remercier mademoiselle, hein. Parce que même avec les cachets bidons que vous auriez avalés, là, eh bien, vous seriez avec moi, vous seriez resté devant ma porte toute la nuit. Oh, mais je savais ce que je faisais. J'avais longuement réfléchi avant, moi. Oh, bon, alors excusez-nous de vous avoir sauvé la vie. Mettez-vous à ma place. Je comptais me réveiller dans un monde meilleur. Je tombe chez le PDG du 5e. De toute façon, ça m'étonne pas. Tout ce que j'entreprends, je le rate. Bon, je ne dois pas avoir de chance. Mais c'est ça, j'ai pas de chance. Je veux vivre, ça se passe mal. Je veux mourir, ça se passe mal aussi. Voyons, monsieur Morin, ne parlez pas comme ça, voyons. Mais je suis lucide, vous savez, une fois j'ai pris l'avion, une seule fois. Et quand je suis arrivé au Baléares, mes bagages étaient partis à Istanbul. 15 jours avec la même chemise. Et pour une fois, je m'en vais un week-end dans le Perche. Quand j'arrive là-bas, une tornade terrible. Oh. Une tornade dans le Perche. Les gens là-bas disaient, on n'a jamais vu ça. Que même une enseigne à un cuivre et un plomb est tombée sur la tête. 15 jours d'hôpital. La chance, Morel, la chance, je vous le dis. Faut savoir la saisir au moment où elle passe. Oui, parce qu'une seconde avant, c'est trop tôt. Et une seconde après, c'est trop tard. Et vous croyez que quand elle arrive, je ne réagis pas?
Non, je pense que vous ne réagissez pas du tout. Parce que vous savez ce qui vous manque, moral. C'est du punch. Voilà, du jus, de tout ce que vous voulez. Parce que je vais vous dire, le monde n'appartient pas aux plus doués, figurez-vous. Il appartient à ceux qui voient grand et qui foncent. Alors du coup, si vous vouliez réussir votre coup, là, hein, au lieu de bouffer des petites saloperies qui valent rien du tout, vous auriez mieux fait de bouffer des trucs bien costauds et vous y jeter par le sixième, afin d'être du sixième. Voilà, parce qu'à ce moment-là, vous ne seriez pas en train de discuter avec nous. Ah, mais c'est pas bête. C'est pas bête, vous motivez. Eh bien, je ferai ça demain, mais du sixième pour pas vous embêter. Parfait. Mais enfin, monsieur Morin, enfin, voyons, on va en parler tous les deux, hein. Vous voulez, on va en parler. Ah, vous, des conseils comme ça, vous pouvez vous les garder, hein. Enfin, monsieur Morin, pourquoi vous me recommencez? C'est si grave que ça. Mais oui, c'est grave. J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. J'ai plus d'argent. Je n'intéressais plus personne. Et quand je veux voir des amis, je vais au cimetière. C'est grave, ça, c'est grave. Mais enfin, et votre fils, vous avez pensé au choc que ça va lui faire? Vous savez, c'est un adulte. C'est un adulte. Il habite à 500 km. Alors, on se voit une ou deux fois par an. Il sera triste au départ, mais après il comprendra. Oh, mais je suis pas sûr du tout qu'il comprenne, vous savez. Bon, on va pas y passer la nuit, là, hein. Et c'est tout ce que vous trouvez à dire? Enfin, s'il veut mourir, il est libre, foutez-lui la paix, bon sang. Ah, que je suis content. Ah, mais ça va beaucoup mieux. Ah, je sens que je vais remonter dans ma chambre. Ah, non. Non, parce que là, on a commencé de vous sauver, alors maintenant, on va jusqu'au bout. Alors, le programme de ce soir, c'est au lit et exécution. Ah, bon, mais écoutez, si je dois rester chez vous, ne croyez pas que j'abuse de votre hospitalité. C'est limite. Mais vous savez, j'ai froid dans le lit. Quoi? Froid? Chez moi? Oui, ça doit être les médicaments. Ah oui. Et une couverture supplémentaire à monsieur, ça irait. Ah oui, bien, ça irait bien. Autrefois, quand j'étais petit, ma grand-mère, elle prenait une brique, elle la faisait chauffer dans le feu, elle prenait un chiffon, elle entourait la brique comme ça, et elle le passait dans les draps. Oui, bon, stop, ça va. On est un peu en cours de brique en ce moment, alors je pense que je vais aller chercher la couverture. Ah oui, c'est... Alors, monsieur Morin, pourquoi vouloir recommencer? C'est beau, la vie, vous savez, c'est beau. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Non, ne vous dérangez pas, mademoiselle, il est beaucoup trop tard. Mais voyons, pour le fric, je vais vous aider à trouver une solution, c'est pas grave. Mais si la solitude ne servira à rien. Écoutez. Les minutes passées comme des heures. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Mais beaucoup de choses sont possibles. Si, cite là. Oh mon Dieu. Pour la solitude, vous savez, il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire. Apprendre une langue étrangère, rentrer dans une association, faire des randonnées. C'est comme ça qu'on rencontre du monde. Écoutez, si vous voulez, on remonte au sixième et je m'occupe de tout. Je vous ferai la bouffe, on ira au cinéma et je m'occuperai de vous comme si vous étiez mon petit frère. Ça vous plairait pas d'avoir une grande sœur comme moi? Tout ce que vous racontez me touche beaucoup. Alors, on monte. Allez. Allez, je vous emmène. Comment ça, je vous emmène? Venez. C'est-à-dire... Ici, c'est pas un endroit pour vous. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où je sois à ma place, moi. Si. Non, mais qu'est-ce que c'est cette cachotterie-là? Il a peur de vous déranger. Allez. Mais puisque c'est moi qui lui ai dit de rester. Venez, je vous emmène. Alors. Je reste ici. Sûr et certain? Oui. Bon, alors écoutez-moi. Pas de bêtises, hein. Et surtout, rappelez-vous ma proposition. Elle tient toujours. Oui, je n'oublierai rien. Surtout pas de vous remercier. Bien. Alors, à ce soir. Car je repasserai prendre des nouvelles, c'est comme ça. Good job. Je crois que je vais remonter.
dis-moi. Attendez, monsieur Morin, dites-moi, juste avant, vous n'avez pas changé d'avis, hein? Les barbituriques sont toujours au programme. Oui, oui, oui. Plus la fenêtre. Vous ferez pas de conneries ce soir, hein? Ah non, non, je ferai pas de bêtises ce soir chez vous. C'est promis. Parfait. Oui, alors du coup, asseyez-vous. J'ai une proposition à vous faire. À moi, alors que je suis sur le point de... Oui, mais justement, c'est ce qui m'intéresse. Hein? Asseyez-vous, là. Oui, monsieur le directeur. Assis. Oui, monsieur le directeur. Vous semblable. Oui, alors. Voilà. Ma femme et moi sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Bon. Alors, du coup... Si jamais il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, l'autre hérite de tout. Vous comprenez? Jusqu'ici, c'est simple. Bon. Il se trouve que voilà. Le problème, c'est que ma femme est devenue radine. Ah merde, d'une avarice. Ah non, parce que, vous voyez, nous qui sommes aisés. Bon. Quand on se promène dans la rue. Mais même pas être de nouveau en SDF. Pas ça. Ça alors? Oui, attendez, avec le temps, son avarice s'agrandit à un point qu'elle est devenue mais malhonnête, profondément malhonnête. C'est-à-dire? Ah oui, c'est difficile. C'est difficile de vous avouer une chose pareille. Bon, maintenant que vous avez commencé. Bon. Alors, en fait, elle a tenté de m'assassiner plusieurs fois. Pour s'accaparer notre fortune commune. Madame Chabrier, oui. Vous restez avec elle malgré le danger? Oh, j'abandonne jamais le terrain, moi. Je me méfie, c'est tout. Et vous n'avez pas porté plainte? Mais il n'y a pas de preuves. Un coup, elle oublie le gaz. Elle oublie. Elle ouvre le gaz et puis elle dit qu'elle a oublié. Voilà. Une autre fois, elle m'est cachée dans mon whisky en prétextant que vous pouvez la porter exprès. Enfin, voyez le genre. Et tout ça pour de l'argent? Ah oui. Ah mais... Oh là 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 là, mais quelle époque! Ah, à qui vous le dites, à quelle époque? Autrefois, on a vu le sens de... Le sens du salaire du roman acquis, l'honneur du métier. Voilà. Maintenant, mais on veut gagner de l'argent sans se fatiguer. Ah, oui. On vole, on assassine, on vend de la drogue et on joue même au loto. Oui. C'est pathétique, hein? Oui, mais pourquoi vous me dites ça? Alors, parce que justement, je crois que vous allez pouvoir m'aider. Ah bon? Oui. Voilà, je vous explique. Demain, à 17h, vous allez voir un coup? Non. Elle a rendez-vous. Voilà. Et pour aller à ce rendez-vous, elle prendra le métro. Ah, me demandez pas pourquoi, je sais pas, elle adore le métro. Oh, tiens, c'est curieux. Ben oui. Oui. Ouais, enfin bon, ma question va sûrement vous étonner, mais... Enfin bon. Je pense qu'elle partira de la station d'à côté. Voilà, d'accord? Psychologiquement, ça ne me pose pas de problème. Très bien. Bon, alors le plan, le voilà. Vous descendez à la fameuse station de métro avant. Là. Exemple. Ça, c'est le quai de métro. Vous êtes là. Bon. Ma femme arrive après vous. Par là. Descend les escaliers, toujours pressé. Alors elle se met toujours au bord du quai, vous voyez? Et là, vous attendez le métro. Quand le métro y arrive, paf, vous la poussez sous le métro. Oui. Alors après, évidemment, tout le monde vous voit. Alors on appelle les flics, ils arrivent, ils vous embarquent, vous allez au commissariat, et là vous dites un truc du genre... Oui, c'est ma maîtresse, elle voulait me quitter, je vais pas supporter. Alors du coup, paf, on vous met au trou, et là, vous prenez exactement comme vous en avez l'intention. Hein? Alors après, qu'est-ce que vous en dites? Vous plaisantez ou vous parlez sérieusement? J'ai jamais été aussi sérieux. Bon alors. Mais vous savez, moi je suis une personne foncièrement intègre. Je n'ai jamais laissé personne, moi. Je suis un doux, un amoureux de la vie. Vous savez, une guêpe se colle sur ma confiture, sur ma tartine, je lui rends sa liberté. Ouais. Un moustique s'apprête à me piquer, je le chasse délicatement pour qu'il continue sa vie de moustique. Mais oui. Vous comprenez que dans ces conditions, écrabouiller Madame Chabrier. Écoutez, Morin. Il s'agit d'une criminelle en puissance. Ça change tout. Je dis pas, mais pourquoi je ferais ça?
Ah oui, ça c'est une bonne question. Vous avez raison. Tout travail mérite salaire. Bon, alors du coup, quand vous aurez fait vos petites affaires, hein, le... hein, moi je fais un chèque à votre fils parce que j'ai cru comprendre que vous en aviez 100 000. Tout ça? Oui. Oui. Il n'est pas déjà riche au moins. Il est facteur. Parfait. Alors, votre réponse. C'est une grosse somme, mais je suis pris au dépourvu, moi. Mais vous savez. Oui. Enfin, moi, soyez lucide. Oh, oh. Hein? Mais si, vous suicidez tout seul, là, dans votre petite chambre de bonne. Franchement, sous prétexte en plus que la vie ne vaut pas d'être vécue. Oh, donc, ça, c'est un acte égoïste. Ah, si, si, c'est égoïste. Hein, c'est égoïste. Hein. Tandis que si vous suivez mon plan, à moi, hein, un, vous aidez votre fils. Bon. Deux. Bon, vous me sauvez la vie. Trois. C'est le point le plus important. Vous débarrassez la société d'un être malfaisant, ma femme, hein, que si jamais elle héritait de l'entreprise, elle serait capable d'aller la refourguer à ne sais quel groupe chinois. Hein. Alors, franchement, écoutez, bon, sans faire de grandes phrases, en suivant mon plan, vous rendez service à la France. Ouais, évidemment, c'est impressionnant, mais de là, toute mon intégrité, ma loyauté. Oui, mais bon, ça va, j'ai compris. Alors, bon, allez, 200 000 à votre dos, 200 000 à votre fils. Mais c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'argent, monsieur le directeur, c'est une question de moralité. Moi, si je vais au ciel, je veux pouvoir regarder Dieu en face. Ah, ouais. Enfin, si je le vois. Parce qu'avec la chance que j'ai, je risque de passer devant lui sans même le reconnaître. Mon frère Morin, voyons, vous avez raté votre vie. Alors je sais pas, moi, vous faites un effort, essayez au moins de réussir votre mort. Je dois dire, dans un certain sens, votre proposition est séduisante. Donner de l'argent à mon fils, vous sauver la vie, rendre service à la société. Parfait. Pour un personnage dont la seule aventure a été de se trouver au Baléares sans valise. Alors, conclusion? Écoutez, je sais pas, moi, je vous dirai ça demain, parce que je suis un lame, il faut pas trop me pousser avec tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je vous dirai ça en vous rendant votre pyjama. Demain. Enfin, Morin, il y a des choses qui se traitent à chaud. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le monde appartient à ceux qui foncent. Impossible, monsieur le directeur, impossible. Je n'ai jamais foncé de ma vie, et c'est pas aujourd'hui, alors que j'ai l'estomac tout barbouillé, que je vais décider en 2 minutes. Écoutez, il y a des fois, il faut agir et il faut pas réfléchir. Voilà. Il est possible que je ne réfléchisse jamais et je n'agisse jamais. N'oubliez pas, Morin, je vous offre de mourir utile. Je sais, monsieur le directeur, je sais. Bon, et ben alors, oui, il y a le problème. Mais ce qui m'embête, c'est de pousser votre femme sous le métro. Ah. Déjà levé? Oui, Morin. Il n'est pas dans sa chambre. On dit bonjour d'abord. Bonjour. Merci. Oui, je me suis levée tôt parce que j'ai pas fermé l'œil de la nuit, figure-toi. Quant à Morin, je l'ai envoyé acheter des croissants. Des croissants? Oui. Je l'ai trouvé ce matin dans son lit faisant des sueurs kangourous hystériques. J'ai pensé qu'il allait m'y occuper. Ah oui. T'es complètement folle, toi, hein? Imagine si j'avais essayé d'être sous une voiture. Hein? Il m'a promis qu'il reviendrait, je lui fais confiance. C'est ça, tu lui fais confiance.
Non mais franchement, envoyer quelqu'un qui vient de tenter de se suicider à aller acheter des croissants. Non mais franchement, Catherine, il y a des moments où j'ai du mal à te suivre, hein. Eh mais ça, c'est pas nouveau. Ah, ça. Tiens. Ah. On y est, si. Merci. Tu sais, rien qu'à l'idée que nous avons divorcé, je me sens poussée des ailes. Ce genre de jeu de claquettes, de chanter des chansons paillardes. Et il ne faudrait pas beaucoup me pousser pour que je fasse du sou. Aïe! Ah oui. Toujours décidé à. Oupou, plus que jamais. Et toi, toujours pas? Pareil. Toujours pas. C'est normal. Tu m'aimes. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux? Les sentiments, ça disparaît pas comme ça. Grosse erreur. Ah non? L'amour, c'est comme un chardon. Ah oui? Ça naît. Oui. Ça meurt. Mais entre les deux, ça pique. Catherine, regarde-moi. Catherine, regarde-moi. Où je te regarde? Bon, c'est vrai, je suis fatigué quand je rentre du boulot, je suis pas toujours marrant. Oui, ça va. Puis c'est encore vrai, t'as raison, j'ai un problème avec l'argent. Voilà. Mais ça date de quand j'étais tout petit, moi, ça. Oui. Alors, j'en ai tellement souffert que j'ai peur que ça revienne. C'est une vieille trouille héréditaire. Ah oui, déjà avec ma mère, c'était comme ça. Elle disait toujours, oh, pour le vieux qu'on puisse acheter du pain aujourd'hui. Voilà, c'est ça, qu'est-ce qu'elle disait ma mère. Alors tu comprends? Alors c'est pas une excuse, c'est vrai. Enfin, c'est juste pour que tu comprennes. Philippe, oui. On ne peut pas gâcher sa vie et celle des autres parce qu'on a eu une enfance difficile. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, je voudrais pas dire des choses banales, mais on s'aimait bien, non? Évitons les banalités, tu veux? Enfin, et au lit, ça marchait bien, hein? Oula! Ça remonte à loin, hein? Ça remonte à loin, dis donc, encore l'année dernière, hein? Tu sais, Philippe? Oui. L'être humain est le seul animal capable de faire l'amour par politesse. Ah. Bon, écoute. Je vais encore te parler, enfin, je vais essayer de te parler, encore une dernière fois, sans m'énerver. Eh ben, dis donc, il y a un début à tout. Et moi, je vais te dire autre chose. Philippe, oui. Tu es devenu complètement sec. Il n'y a qu'une seule chose qui t'intéresse vraiment, c'est le fric. Le fric? Oui. Mais dis donc. Toi non plus, tu craches pas sur le fric, hein? Madame est bien contente de l'avoir amené à l'appartement. Eh oui! Et puis, sans parler du bateau, hein? Ça te plaît, ça, les sorties en bateau? Dis alors, parlons pas des bijoux, un prix exorbitant! Mais oui! Figure-toi qu'il faut pas me prendre pour un demeuré, parce que toi aussi, tu jettes l'argent par les fenêtres. Oui, parfaitement. Tu jettes l'argent par les fenêtres. Mais quand sais-tu, dis donc? Quand sais-tu si je suis bien contente? L'appartement, tu n'es jamais. Les voyages, je les fais seule. Et quant aux bijoux, ah, monsieur ne les remarque même pas. Ah non, mais là, par contre, je vois passer les chèques et les zéros qui vont avec. Et tu dis que tu m'aimes. Ah, attends qu'on lui parle d'amour. Ah, il est doux, il est calme. Mais dès qu'on aborde le fric, alors là, le tigre se réveille. Monsieur va rugir. Monsieur va rugir. Oui, bon, ça va, on arrête. Mais il n'en a rien à faire de moi. Rien. Tu ne veux pas que je parte avec ton argent. C'est tout. Non, non. Mon pauvre Philippe. Bon. Mon pauvre Philippe, tu ne sais pas. Oh non, tu ne sais pas ce qui va lui arriver à ton argent dès que nous aurons divorcé. Je vais le donner. Oui, tu entends, le donner au médecin sans frontières, à la Croix-Rouge, à la recherche médicale. Oui. Tu vas pas faire ça, hein? Tiens, je vais me gêner, peut-être. Ah, tu vas pas faire ça, hein?
Si. Ah, parce que moi, les hôpitaux psychiatriques, c'est pas fait pour les chiens. Moi, je te fais le dernier, moi. Hein. Oui, parfaitement, parce que moi j'en connais du monde. Hein? Alors il y a tout, il y a des chirurgiens, il y a des maires, il y a des députés, tout le Bataclan. Et puis vous savez quoi? Avec une camisole de force, s'il vous plaît. Une camisole de force. Oui, c'est ça. Me faire interner, moi. Oui. Mais mon pauvre Philippe, tu t'es regardé. Dès que tu diras bonjour à n'importe quel médecin, ils t'enverront direct en cure de sommeil. On n'y bosse pas, c'est bien, on n'y bosse pas. Voilà. Papa, 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 papa. Désolé, Philippe. Demain 17h, c'est parti. Ah, t'es un camisole. Ah, camisole. Me crois pas. Me crois pas. Ah, camisole. Bon, l'avocat d'abord. Merde, l'avocat d'abord. Oui. Allô, Bernard. Ah non, pardon, bonjour, mademoiselle. Oui, non, je voudrais parler à Maître Colonna, s'il vous plaît. Oui, Philippe Chabrier. Non, non, j'attends. Voilà. Allô, Bernard. Salut, c'est Philippe. Non, non, bien, merci, bien. Dis-moi. Non, non, ça va, c'est juste que j'ai besoin d'une réponse, d'une question de droit. C'est juste la BC pour toi, certainement. Alors, dis-moi. Non, non, ça va. Quand un couple qui est marié sous le régime de la communauté des biens divorce. Bon, oui, bon, c'est 50-50, c'est ça? Ouais. Ah! Ah, 50-50 pour tout ce qui est acquis après le mariage. Ah, très bien. Dis-moi, dans tes bouquins ou tes jurisprudences, là, il n'y a pas un truc qui peut faire, je sais pas, 80-20, par exemple, non? Ah non, il n'y a pas. Même pas un petit 70-30. Oh, tant pis. Hein? Non, non, Catherine et moi, ça va très bien, je te dis très bien. Non, c'est un ami qui me posait la question, c'était juste avant. Bon, dis-moi, écoute, il faut que je te laisse, je dois partir au bureau. Hein? Bon, alors, tu embrasses la Françoise pour moi, hein? Voilà. Bon, mais j'aurais fait ce que j'ai pu, hein? Bon, mais c'est tranquille, ce baraque. Ah, monsieur Chabrier, que je suis content de vous voir à votre normal. J'avais tellement peur que vous ne soyez sous le choc. Ah bon? Pour quelle raison? Avec ce qui est arrivé hier soir. Quelle histoire! Vous et votre femme n'êtes pas trop bouleversés au moins? Non. Et vous avez réussi à dormir sans faire de cauchemar? Oui. Méfiez-vous malgré tout. Quand on subit un traumatisme grave, tel que prise de l'otage, un viol, l'intrusion de la vie privée comme hier. Ah, ouais. Surtout, il faut parler. Sinon, on peut croire que le traumatisme est résorbé. On recommence à trouver la vie belle. Et d'un seul coup, le mental s'écroule. Avec des séquelles irréversibles. Bon. Si vous sentez le besoin d'extérioriser. Oui. N'hésitez pas, venez me voir. C'est une autre vie, je vous remercie beaucoup. Regarde. Tant mieux. Mais tout de même, oui. Cet individu, oui. Venir perturber un immeuble de cette classe pour des raisons bassement personnelles, mais quel égoïsme. Ah ouais, parlons pas. Je crois que nous arriverons à surmonter ce problème sans grave difficulté. Hein? Alors du coup, ben, comme je dois aller au bureau, je vous remercie de... Bien sûr. Voilà. Mais une dernière chose. Oui. Mademoiselle Dinéville, oui. Dit que vous hébergez cette personne. Effectivement. Oh là là. Ne prenez pas de risques surtout. Ah non. Expulsez-le dès que possible et faites les infecter. C'est pas possible, il n'a pas pu. Il n'a pas pu devenir riche tout seul, c'est pas possible. Il a forcément hérité. Hein? Oh, mon Dieu.
pourvu qu'il n'ait pas oublié quelque chose. Bonjour, monsieur le directeur. C'est madame Chabrier. Oui, je sais. Asseyez. Allez, asseyez-vous, va. Alors, mon cher Morin, hein? Comment ça va? Au moyen. Ah oui, bon, c'est normal. Après un suicide raté, il n'y a pas de quoi pas baser, hein? Oh, de toute façon, avant, c'était pareil. Hein? Vous savez, quand on se retrouve à mon âge, dans une chambre de bonne, sans Laurent, et qu'on entend à la radio que toutes les grosses entreprises font de plus en plus de bénéfices, on se sent vraiment nul. Oui, je comprends. Ouais. Mais un important conseil, hein? Bon, alors, dites-moi, vous avez toujours l'intention de... Oui, et vous, toujours décidé à... Ah oui, oui, justement, dites... Vous avez réfléchi à ma proposition. Beaucoup. Ah. Vous savez, moi, j'étais comptable, pas tueur à gages. Ah. Alors, sans vous offenser, je préférerais remonter chez moi, avaler les quelques cachets qui me restent, comme ça, dans la discrétion. Ça me correspond mieux. Ah, ouais. Enfin, Morin, je vous l'ai déjà dit, hein, la chance appartient à ceux qui foncent. La chance, je me demande que ça vient faire dans cette histoire. Hein. Est-ce que c'est vraiment de la chance de finir dans la peau du meurtrier? Par contre, le problème moral, hein, je le vois encore comme un éléphant dans une cabine téléphonique. Morin, la moralité n'existe plus de nos jours. Il n'y a plus que le fric qui compte. Non, mais pas pour moi. Hein. Je suis parti de rien, je suis arrivé à rien. Ah oui, la conscience, oui. C'est à peu près tout ce qui vous reste. Mais j'y tiens beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, tout ce que j'entreprends, je le rate. Et si je dois pousser votre femme sous le métro, je risque de pousser à côté, elle reste debout, et moi je tombe sous les pieds. Ouais. Ah ben ça, à ce point-là? Ah c'est, oui, une fois je rentre dans un bistrot, il y avait deux types qui se bagarraient. Oui. Bêtement, j'ai voulu les séparer. Oui. Ils me sont tombés tous les deux dessus. Par deux fois, ils m'ont jeté sur une vieille dame. Ah bon? Elle a apporté plainte pour harcèlement sexuel. Et une fois, ma pauvre femme me demande d'aller acheter du ronron pour le chat. Oui. Du ronron pour le chat, c'est pas compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Mais vous, quand je suis arrivé à Monoprix, vous ne le croirez pas. Non, mais ça va. Bon. Enfin, Morin, écoutez, il ne s'agit quand même pas de quelque chose de très compliqué, non? Vous savez, moi, même le plus simple est toujours trop compliqué. Ah, pourtant, une mort médiatisée, hein? Ça fait beaucoup d'effet. Médiatisée, vous croyez qu'on en parlerait? Évidemment. Attendez, vous passez pour l'amant de Madame Chabrier, hein? On la voit partout dans tous les magazines, qui tantôt faisant du cheval par-ci, qui tantôt faisant du bateau par-là, hein? Qui tantôt allant visiter des crèches, hein? Et vous, hein? Vous la tuez, et après vous vous pendez. Franchement, on peut faire difficilement mieux pour garder la couverture d'un magazine pendant 8 jours. Mais oui, mais je ne serai pas là pour en profiter. Oh! Enfin, arrêtez de tout ramener à vous, hein, bon sang. C'est très pénible, là. Pensez plutôt à ceux qui vont lire ces magazines, hein, et à l'espoir que vous allez leur amener. Moi, je vais leur amener quelque chose? Ben, évidemment. Enfin, voyons, regardez. Vous êtes l'amant de Madame Chabrier, d'accord? Femme riche et célèbre. Vous, complètement anonyme et sans Laurent. Bon, alors, vous imaginez l'espoir de tous ceux qui vont lire ce magazine. Vous allez amener de l'espoir dans tous les pôles emploi de France. Ah si, et puis alors même ceux qui vont lire le magazine, ils vont se dire en vous voyant à vous. Et pourquoi pas moi, hein? Ah oui, à lui ça arrive, et pourquoi pas moi, hein? Alors du coup, pour ces gens, vous allez devenir une sorte de symbole de la réussite. Hein? Moi, un symbole de la réussite. Mais oui, vous. Alors, d'accord. Je suis tenté, monsieur le directeur, je suis vraiment tenté. Hein? Ah. Seulement. Et ce qui m'embête, c'est de pousser votre femme sous le métro. Oh, bien la marre, en fait, ces hésitations, Morin. Vous commencez à devenir pénible, hein, mais franchement pénible, à un point. Ah, monsieur Morin, il me semblait bien entendre votre voix. Mais t'es encore là, toi? Mais qui se méfie, ces ouvriers vont s'inquiéter. Oui, justement, je partais et il gardait moi. Sûrement pas. Monsieur Morin, reste ici. Bonsoir Catherine, puisque je te dis, monsieur vient de me dire qu'il avait besoin d'un peu de solitude. Hein,
monsieur Morin. Oui, c'est exact. C'est vrai que je suis venu m'échouer devant votre porte. C'est quand même sans gêne. Madame Chabrier, je vous remercie pour votre hospitalité. Ah, tu vois, même monsieur le dit, il n'a plus besoin de nous. Monsieur Morin, je n'ai pas l'intention de vous séquestrer. Juste vous offrir un café. Et après, vous remonterez chez vous. Et j'ai même du thé, si vous préférez. Monsieur, Catherine, je te dis que monsieur vient avec moi. Et j'ai même du chocolat. Et alors, il est bon, si vous saviez. Alors, je coupe des petits carrés que je fais froid. Monsieur Morin reste ici pour prendre son petit déjeuner. Où est le problème? Après, il remontera chez lui. Puisque je te dis qu'il faut qu'il vienne avec moi. Là. Monsieur Morin reste là. Bon, mais moi je prends alors, voilà, monsieur. Bon, écoutez, monsieur Morin peut décider lui-même. Alors, monsieur Morin, vous restez ou vous partez? Je ne peux pas partir. Je crois que pour faire plaisir à tout le monde, je vais rester quelques instants ici. Vous savez, un jour la mère de ma femme était venue. On en parlera tous les deux, monsieur. On en parlera tous les deux. Je le garde 1 minute 12. C'est bon? Oui, bon, allez, ça va. Ferez-vous comme vous voulez. Mais quand c'est fini, vous, le sixième, hein, c'est en prix. D'accord, hein? Promis, monsieur le directeur, promis. Ah. Vous n'avez pas répondu, le café, t'es au chocolat? Justement, puisque. Écoutez, monsieur Morel, quand on a une grave décision à prendre, hein, la solitude, c'est capital. Bon. Écoutez, ce sera café, comme pour moi. Ah, c'est ça. Écoutez, après ce qui vous est arrivé, monsieur Morin, je comprends qu'on ait besoin, mais alors vraiment besoin, de faire le point. Combien de sucre, monsieur Morin? Aucun. J'ai du cholestérol. Oh! Bon, eh bien, écoutez, puisque c'est ça, moi, je vous laisse. Oh, bonne idée. Travaille bien, sois dur, sois fort, mais surtout ne te laisse pas impressionner par toutes ces crapules qui veulent gagner plus d'argent que toi. Voilà, hein? Bon, hé, Morin, mais... surtout n'oubliez pas, hein, le monde n'appartient pas à ceux qu'on leur offre, hein, il appartient à ceux qui foncent et qui boivent grand, hein? Bon, voilà. Pour l'avocat, je te raconterai. Voilà, mais j'y compte bien. Avec des croissants, monsieur Morin? Non, je suis encore tout barbouillé, alors. Oh, mais dites-moi, pourquoi ne veut-il pas que vous restiez ici? Eh bien, pour pas que je fasse des bêtises, je suppose, quoi. En parlant avec moi, en m'aidant à réfléchir. Non, mon mari n'a jamais aidé personne, ça je le connais. Il doit avoir une bonne raison pour ça. Dites-moi, c'est vous qui l'avez demandé de monter chez vous? Oui. Et vous avez toujours l'intention de... Oh non, rassurez-vous. D'ailleurs, merci pour tout, et merci pour le café. Vous êtes très, très aimable et très agréable. Je vous quitte, madame. Non, monsieur Morin, vous restez ici toute la journée. Et pourtant, j'avais promis à votre mari que je remontais chez moi, et vous étiez d'accord avec lui. Je lui ai raconté n'importe quoi pour qu'il s'en aille, mais de toute façon, que vous soyez ici ou là, au mort ou vivant, il n'en a rien à faire. Bon. Une autre tasse, monsieur Morin? Non, merci. Il faut que je remonte chez moi. Il m'est arrivé à une nuit plus de choses que dans toute une journée, alors... Et alors, j'ai besoin d'y voir clair. Et franchement, mais je ne vais pas recommencer. Ah, vous me dites ça pour me rassurer. Mais je ne veux pas vous voir remonter dans votre chambre de Gaulle. Mais fatalement, vous allez redéprimer. Je suis seule, j'ai du cholestérol, j'ai pas d'argent. Et voilà, rebarbiturique. Non, monsieur Morin, vous restez ici. Et de toute façon, mademoiselle Duménil doit repasser. Ou celle-là. Elle est politiquement incorrecte. Mais humainement, elle n'est pas si mal que ça. Hein? Bon, on va instaurer les tours de garde. Vous ne resterez pas seule 1 minute. Et si je ne suis pas d'accord? Eh bien, je vous enferme à clé immédiatement. Oh. Mais pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je suis venu ici? Quand je pense que j'aurais pu aller au quatrième, au troisième, au second, de façon qu'ils sont tous riches. J'aurais dit, je veux mourir,
Il m'aurait répondu, on n'en a rien à foutre. Et tout serait fini. Mais enfin, monsieur Moret, je ne vais pas vous séquestrer ni vous mettre en bouteille toute la journée. Je vais vous aider juste quelques jours, le temps de vous remettre. Allez, écoutez-moi, monsieur Moret, écoutez-moi. Si jamais vos idées noires reviennent, pensez d'abord à votre fils et ensuite, appelez-moi, nous discuterons. Que ce soit de jour ou de nuit, vous sonnez et j'ouvre. Ah, je sonne et vous ouvrez? Mais oui, tout simplement. Ah, mais je reprendrai bien un café, moi. Ah, et avec beaucoup de sucre. Et votre cholestérol, monsieur Morin? Oh, vous savez, beaucoup de sucre. J'ai besoin de me dynamiser, moi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je me demandais qui vous étiez. Je me le demande bien souvent, moi aussi. Monsieur Morin, oui. J'aimerais vous aider. Oh. Malheureusement, pour l'amour de votre dame, c'est trop tard, je ne peux rien faire. Mais pour l'argent, je peux. Vous pouvez quoi? Je sais que ça n'arrange pas tout. Mais avouez que ça aide beaucoup, non? Je vais donc vous faire un chèque de 100 000 euros. Tout ça? De ce côté-là, plus de problèmes. Tout ça? Mais oui. Oh, non, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Bon, je comprends. La somme vous effraie. 80 000. Non, c'est pas là le problème, c'est pas là le problème. Non. 65 000, d'accord? Mais non. Alors, 50 000, c'est mon dernier prix. Oh. Je ne peux pas descendre plus bas, quand même. Allez, je vais chercher mon chéquier. Mais non, s'il vous plaît. Monsieur Morel, mais ne faites pas de manière. Je vous dis que ça ne me gêne en rien. Et en plus, franchement, si ça peut vous aider... Mais c'est pas ça, c'est que je comprends plus, moi. Je comprends plus. Mais vous ne comprenez plus quoi, monsieur Morel? Mais votre mari m'a dit que j'étais là. Votre mari m'a dit que vous étiez avare. Moi? Vous. Mais il est idiot, pourquoi il a fait une chose pareille? Mais je sais pas. C'est lui qui entasse l'argent et qui le couve. Tandis que moi, et il vous l'a dit, j'ai un véritable don pour le dépenser. Tenez, laissez-moi 2 heures dans une boutique de mode et quand je ressors, elle est vide. Et bien, pourquoi me regardez-vous encore comme ça? Mais je me dis que si votre mari a menti sur un point, il a peut-être menti sur d'autres points. Et c'est la raison pour laquelle il ne veuille pas que je reste seul avec vous. Et vous pourriez être plus clair? Écoutez, je vais vous poser une question qui va vous paraître très étrange et à laquelle vous êtes obligatoirement obligé de répondre non. Mais au sens de la réponse, je connaîtrai la vérité. Avez-vous à plusieurs reprises essayé de tuer votre mari? Pardon? Et pourquoi? Pour récupérer la totalité de votre fortune commune. Il vous a dit ça? Eh bien oui, il m'a même dit que vous étiez un être malfaisant et pervers. Mais enfin, c'est pas mon intention de divorcer qui le fait délirer à ce point. Vous divorcez? Mais oui. Ce soir, à 17h, je lance la procédure. Ah, je vois. Eh bien, je commence à voir. Vous pouvez m'expliquer? Il m'a demandé de vous tuer. Oh. Oui, d'arriver lui pour sauver sa peau. Il vous a vraiment demandé ça? Mais oui, le plan, c'est ce soir, je vous pousse sous le métro, non. Je me dénonce et je me suicide. Mais enfin, mais pourquoi raconte-t-il des choses pareilles? Mais pourquoi vous? Mais ça rime à rien. Mais si, ça rime. J'écoute. Eh bien oui, il m'a dit que supprimer un être malfaisant, c'était rendre service à la société. Mais vous êtes certain de ce que vous dites? Mais certain. Il a essayé même de me persuader que supprimer un être malfaisant, c'était rendre service à la société. Voilà. Mais c'est incroyable, incroyable. Mais vous savez, il va falloir vous méfier maintenant. Il va falloir vous réagir. Si je me désiste, et bien sûr je me désiste, et bien il va trouver une autre solution. Vous risquez être victime de voyous, renversé par un chauffard, ou Dieu sait quoi. Mais comment est-ce possible?
Comment est-ce possible, vivre tant d'années avec un homme et si mal le connaître? Mais quand je pense à ce qu'il était quand nous nous sommes connus, il sortait de sa banlieue pourrie et il voulait changer le monde. Ah oui, il a changé de milieu, lui, c'est tout. Et il est plus pourri qu'avant, le salaud. Oh, c'est trop moche, c'est trop moche. Bon, oh, je vais partir et je lui fais même cadeau de ma part, tiens. Allez, allez. Oh, merci. Allez, allez ouvrir. Allez. Et bonjour, monsieur Morin. Alors, comment ça va? Voyons, voyons. À la lumière, là, tirez la langue. Ah, ah, ça fait plaisir, hein. Ah bon? Et dites donc, vous, en revanche? C'est Tchernobyl. Qu'est-ce qui se passe? La bourse a perdu 5 points. Je vous laisse, monsieur Morin. J'ai besoin de... Merci de m'avoir prévenu. Merci, ça me couvre beaucoup. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Vous préférez réserver le train capital? Maintenant? Elle vous fait la bise. Mais c'est quoi, ce bordel? Hier, je le laisse mourant ici. Et je le retrouve. Comme s'il était chez lui dans ce 12 pièces cuisine. Faut dire que ça bouge. Ça bouge même beaucoup ici. Hein. On dirait que j'étais tombé sur dans la machine à laver et que je tournais avec le linge. C'est vrai que vous avez l'air nerveux. Non, c'est le café. Il est tellement fort. Ah. Bon, et comment ça va? Monkey. Mais vous, votre envie de... est toujours là? Je sais pas, je ne sais plus même quoi que penser. Hein. Bon, eh ben alors ça c'est bon signe, hein, si vous n'y pensez plus. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites toute la journée aujourd'hui? Il ne faut surtout pas rester seul. Ça c'est pas bon, hein. Si vous voulez, je vais pas à mon travail, on la passe ensemble. Non, c'est gentil, mais je préfère rester ici. Ah oui, monsieur s'habitue au luxe, c'est non, ça. Non, c'est pas ça. Madame Chabrier a des soucis. De quel genre? Mais des soucis. Et puis, il ne serait pas correct de l'abandonner en ce moment. C'est une personne très distinguée, à mon avis. Et vous savez, de nos jours, le respect d'autrui est très atténué. Et je ne voudrais pas en arriver là. Et c'est reparti. Eh bien oui, il y a tout pour que ça reparte. Avant, c'était autre chose. On respectait tout le monde. Eh oui, ses parents, son instituteur, même son patron. Mais votre père était un crétin, et bien on le respectait quand même. Votre instituteur vous plaçait Dakar, au sud de la Hollande, on l'admirait tout autant. Et votre patron tenait les mêmes raisonnements qu'un presse purée, on l'écoutait religieusement. Alors je vous le dis, mademoiselle Dumini, je vous le dis, une société qui ne respecte plus les imbéciles est une société en décadence. Ah. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle, pour ce petit malaise. Mademoiselle Duménil se propose de ne pas aller travailler pour me tenir compagnie. Ah non, ne ratez pas votre travail. Je reste surveiller notre ami toute la journée. D'ailleurs, il n'a pas l'intention de recommencer, n'est-ce pas, monsieur Morin? Oh, vous savez, j'ai tellement de choses à la tête, je ne sais plus ni que faire, ni par quoi commencer. Je comprends. Mademoiselle, si vous êtes d'accord, repassez donc vers 20h. On prendra l'apéritif et on verra ce qu'on peut faire pour notre ami. On en est un peu responsable dorénavant, non? Bon, ok. Alors à ce soir, et surtout pas de bêtises, hein? Monsieur Morin. Oui. Monsieur Morin. Oui. J'ai pris une décision. À quel propos? À quel propos? Alors, ce que je vais vous dire va vous étonner. Hein. Ça va même sûrement énormément vous étonner. Je vais tuer mon mari. Oui, je sais. Tout à l'heure, j'étais bouleversée. J'ai craqué en apprenant son intention, oui. Mais je me suis reprise. Madame Chabrier, vous dites ça, mais vous parvenez jamais à avoir le courage de... Oh. Mais pourquoi? Mais parce que vous l'avez aimé. Ça, c'est le cheminement de tous les couples, vous savez. Au début, tout est beau, tout est neuf, on s'aime. Ensuite,
on se supporte difficilement, et en fait, on se déteste. Oui, mais réfléchissez, reprenez-vous. Dans ce cas-là, on se sépare, on s'extermine pas. Parce qu'on a peur de se faire reprendre, tiens. Oh, si vous saviez. Croyez-moi, si tous les gens qui sont exaspérés par leur conjoint pouvaient discrètement l'évacuer dans une poche poubelle, il faudrait décupler le nombre des boueurs. Oh, oui. Mais reprenez-vous. Vous savez, beaucoup de couples à notre époque se séparent. Mais de là à remplacer le sac poubelle, le... remplacer le divorce par un sac poubelle, c'est se parler un peu loin. Vous savez, si c'est pas lui, c'est moi. Et je préfère que ce soit lui. Mais vous n'y arriverez pas. Mais vous êtes quelqu'un de foncièrement honnête. D'ailleurs, ça se voit, mais ça se devine. Oui, si vous saviez, monsieur Morel, pendant les 8 années où j'ai travaillé avec Chabrier, j'ai magouillé, j'ai truqué, j'ai escroqué comme pas possible. S'il y avait un festival de Cannes pour les malhonnêtes, j'aurais la palme d'or. Oh, vous? Moi, oui. Oui, mais admettons que vous ayez gagné de l'argent d'une façon ambiguë, mais de là à tuer quelqu'un, c'est quand même beaucoup plus délicat, sans compter que vous êtes sûr de vous faire prendre. J'ai un plan imparable. Ça peut passer pour un accident. Mais pour ce plan, monsieur Morin, j'ai besoin de vous. J'ai donc une proposition à vous faire. Ah non, ah non, surtout pas, je ne pourrais pas, je vous le dis, je ne pourrais pas. Mais laissez-moi au moins vous expliquer. Non, je vois ce que vous allez me demander. Non, je ne peux pas. Mais écoutez-moi. Je n'écoute pas. Monsieur Morel. Non. Monsieur Morel. Non. Mais bon Dieu, je peux parler, oui. Je ne vous demande pas de me tuer, c'est moi qui vais le faire. Je vous demande un faux témoignage, c'est tout. Un faux témoignage? Oui, écoutez-moi. Quand mon mari rentre le soir, il prend toujours un bain pour se détendre. Et comme il est frileux, il place un radiateur sur une petite étagère au-dessus de la baignoire. Oh, que ça part mal. Alors, mademoiselle de Ménil et vous êtes ici en train de siroter votre apéritif. À un moment, vous allez tous les deux dans la cuisine. Moi, je fonce dans la salle de bain. Je flanque un radiateur dans la baignoire. Mon mari est électrocuté. Je reviens avant vous au salon. Mademoiselle Duménil ignore que je suis sortie. 3 minutes après, je reviens à la salle de bain. Ah ! Je découvre l'accident. Ici, enquête, j'ai 2 témoins. Un seul détail reste à régler. Et il est de taille. Un radiateur, est-ce suffisant pour... Que je le sache. Il faudrait que je fasse un test. Comment pourrais-je faire? Je sais. J'achète des truites vivantes, je les mets dans la baignoire, je lance le radiateur dessus. Si elle meurt, c'est bon. Et de toute façon, un homme, ce n'est jamais qu'une grosse truite. Hein. Alors, qu'en pensez-vous? Je n'en pense rien du tout. Je me demande pourquoi je me poserais la question là-dessus. Enfin, moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je ne le fais pas griller. Vous pourriez avoir un avis personnel. Madame Chabrier, mais un témoignage, moi, un faux témoignage, moi je ne peux pas. De toute ma vie, je n'ai jamais menti. Donc je ne peux pas. Bon. Georges, je peux vous appeler Georges, n'est-ce pas? Georges, ce que je vous demande n'est pas terrible. Juste de dire que personne n'a quitté cette pièce. Ce n'est même pas un mensonge, c'est... Comment pourrais-je dire? Une subtilité de langage.
Subtilité de langage, c'est pas pour tout le monde. Moi, vous ne pourrez pas me laisser imaginer l'autre dans sa baignoire, en train de barboter, le radiateur tombe et... c'est pas subtil pour de rôle, ça, hein. Georges, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais qu'est-ce qu'un petit mensonge de rien du tout? Je sais pas, il doit y avoir une autre solution. Ah, mais je m'empresse de vous dire que je ne serai pas une ingrate, hein. Ah, de l'argent, non, hein. On ne m'achète pas, hein. On ne m'achète pas. Là, cet argent me brûlerait les droits. Ah, mais ça m'étonnerait. Tout bien mal acquis profite toujours. Non. Georges, s'il vous plaît, allez, faites ça pour moi. J'ai du mal à respirer, là. J'ai une barre qui monte, là. Oh là 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 là. Écoutez-moi, il n'y aura peut-être même pas d'enquête. Ça peut passer comme un accident domestique comme il y en a tant. Mais quelle histoire! Mais quelle histoire! Les années de comptabilité ne m'ont pas permis d'étudier ce genre de problème. De façon, hein, il va falloir se rendre à l'évidence. Un de ces quatre matins, il va vous mettre de la mort au rat sur les tartines ou quelque chose comme ça. Ça ne pas en est, c'est sûr. Mais je suis devant un affreux dilemme, moi. Je deviens malhonnête, je vous aide, et il est mort. Je reste honnête. Je vous aide pas et vous êtes morte. Corneille à côté, c'est du yaourt à 0%. Effectivement. Mais dans quelle galère je me suis mis, moi? Je suis venu ici pour me suicider, tout simplement. Avec mes petits problèmes de pauvre, il a fallu, avec ma chance habituelle, que je tombe sur vos gros problèmes de riche. Et moi, je vais remonter chez moi, me faire une petite camomille, lire mon journal, et après, j'irai me promener. Non. Georges, vous ne le ferez pas parce que vous êtes quelqu'un de trop beau. Je ne vous imagine pas au sixième, sirotant votre camomille, alors que cinquième, une femme est en train de se faire assassiner. Vous savez, on supporte mieux la souffrance des autres que la sienne. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Allez, Georges, vous allez m'aider, n'est-ce pas? C'est d'accord, je peux compter sur vous. Oh, je sais pas, j'ai du mal à respirer, là. J'ai ma barre, mon mal à respirer. Une nausée, là. Et alors, mes jambes qui ne me portent plus, et la vue, j'ai la vue qui baisse. Bon, allez, j'ai compris. Nous allons sortir. Un peu d'air vous fera du bien. Vous me laissez 2 secondes, je m'habille, et on part. Oh là 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 là. Vous êtes seul? Oui. Mais ma femme, elle se change. Bon, alors on a le temps. Oh, alors, qu'est-ce que vous foutez ici, bon sang? Ça fait un siècle que je vous attends là-haut. Enfin, vous m'aviez dit que vous remontiez de suite. Je sais, monsieur l'État, je sais, mais vous savez... Oui, bon, stop, alors, votre réponse, c'est oui ou c'est non? Eh bien, vous savez, il y a des nouveaux. Comment ça? Je crois, monsieur le directeur, que vous m'avez raconté des histoires au sujet de votre femme. Elle n'est pas telle que vous me l'avez décrite. Ah, je vois. Vous avez bavardé avec elle. Et vous l'avez trouvée sympathique. Alors du coup, vous pensez qu'elle serait incapable de se séparer de moi? Voilà. Quoique incapable. Dites donc, Morin, vous savez que vous devenez de moins en moins net? Je sais. Oui. Là, j'ai une barre là. Mes jambes qui me portent plus là. Oui, bon, d'accord. Bon. Donc, si je comprends bien, vous a fait bonne impression. Très. Mais c'est bien que j'en arrive à me dire que vous avez essayé de me convaincre d'éliminer une innocente dans le but de servir vos intérêts personnels. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et au sujet de son avarice. Oui. Je crois que c'est pas du tout évident, et c'est même le contraire. Mon pauvre Morin, c'est une comédienne parfaite et qui s'est donnée complètement le change. Le change, il y a quand même des preuves. Ah, elle vous a offert de l'argent, je parie, hein? Mais oui. Ah, mais pour quoi faire? Mais pour le dépenser. Oui, non, mais je veux dire, t'as quel but? Mais pour vivre mieux. 100 000 euros. Hein? 110 000 euros. Et que pour vous aider? Vous, mon pauvre Morin, vous êtes naïf. Et vous croyez qu'elle a une idée derrière là? Mais évidemment, on n'a rien sans rien, voyons. Dites donc,
Et vous n'aurez pas demandé un échange, hein? Quelque chose en échange, par hasard? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis, entre nous, hein, ça sera certainement pas un petit service, c'est de rien du tout. Vous croyez? On peut offrir une somme pareille? Au fait, vous l'avez ce chèque? Ben non, c'est moi qui n'ai pas voulu. Hein? J'étais un peu gêné, vous savez. Un cadeau d'une telle importance, juste pour m'aider. Oh, elle n'aide jamais personne. Ça, c'est pas le genre de la maison. Hein? Vous savez quoi, Morel? Votre chèque? Vous ne le verrez jamais. Mais non, je ne raconte pas des salades. C'est un être abject, hein, qui cache parfaitement son jeu et qui sûrement va vous demander une sale besogne à faire. C'est pour ça qu'il faut agir vite, Morin, je vous le rappelle. Elle a déjà essayé de m'assassiner une fois. Et elle va pas tarder à recommencer. Vous jurez que ce que vous me dites est vrai? Sur la tête de mon fils. Bon alors, Morin, je ne peux compter sur votre coopération. Hein? Parce que vous êtes le seul à pouvoir me sauver. Mais je sais plus, moi, je sais plus. Bon, écoutez, je peux faire un dernier effort. 110 000 euros à votre fils. Tout ça? Oui. Alors, votre réponse? J'hésite. Oh, mais bon, ça, il y en a marre de vos hésitations. Alors, c'est oui ou c'est non? C'est oui ou c'est non? Mais c'est oui. Bravo! Ah, bravo, mon cher Morin. Là, vous savez quoi? Vous allez mourir en faisant du bien autour de vous. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mon ami. C'est quand même facile de mentir. Hein? Il m'a cru tout de suite. C'est rigolo, j'aurais pas cru. Mais enfin, il y a un problème. Il y en a un des deux qui doit rester sur le carreau. Mais lequel? Monsieur de Beaumont. Oh, merci. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Ah oui, à quel propos? À propos de cette personne qui s'est imposée chez vous hier soir. J'en ai parlé à votre mari ce matin. Oui. Votre mari? Oui. Il ne vous l'a pas dit? Non. Je suis perturbée par cette affaire. Complètement perturbée. Vous voulez un whisky ou un verre d'eau? Non, merci. Il faut savoir prendre sur soi. Bravo. J'y ai pensé toute la journée, toute la journée. Et j'ai compris la chose suivante. Les nécessiteux du sixième sont la source d'une promiscuité insupportable. Vous avez vu combien ils sont habillés? C'est à peine humain. On dirait qu'ils vont à des soirées déguisées en permanence. Ben, je suppose qu'ils ont un budget vestimentaire un peu restreint. Quand on n'est pas montrable, on se cache. Ah, c'est nouveau ça. Et ce n'est pas tout. Ils nous agressent. Oui, oui. Voyez, quand je sors simplement avec ma Rolex et ma gourmette off, je croise cette vieille fille du sixième qui me dit « Alors, on a sorti ces breloques et vos actions, j'espère qu'elles partent en nouilles !» Oh oui, effectivement, c'est intolérable. Exactement. Totalement intolérable. C'est pour ça que j'envisage
lors de la prochaine réunion de copropriété, de proposer qu'on détruise toutes ces horribles chambres de bonne pour en faire un loft de 300 mètres carrés environ, que j'achèterai pour mon ami. Ça lui ferait un petit pied-à-terre personnel. Et nous, ça nous débarrasserait de... Qu'en dites-vous? Bon, là, vous me prenez un peu au dépourvu, hein. On en reparlera, voulez-vous? Je crois que c'est M. Morin, justement. Le suicidé? Oui. Il faut que je vous quitte, alors. Je veux au maximum vous croiser, mais sûrement pas rester en sa présence. Je suis très mal à l'aise face à ce genre de personne. Je n'arrive pas à me sentir gêné d'être riche. Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué? Mais je vous l'avais dit, j'avais besoin de marcher. Mais ça fait des heures que vous marchez. Je me demandais si vous n'étiez pas encore en train de vous goinfrer de barbiturique. Mais non. Et vous avez vu, l'ascenseur est en panne. Mais j'ai d'autres problèmes en tête, figurez-vous. Oh, je suis complètement dépassé, Mais arrêtez vos états d'âme. Toute la journée, vous m'avez rabâché la même rengaine. Catherine, je sais que c'est vous qui dites la vérité. Mais je vous en prie, laissez tomber votre projet. Mais je vous l'ai expliqué 100 fois, je ne peux pas. Mais si, reprenez-vous, mais si c'est possible. Mais c'est tout réfléchi, je vous dis. Ah, je suis désolé, mais dans ce cas-là, quand M. Chabrier arrive, eh bien je lui dis la vérité. Moi, je ne peux pas être complice d'une chose pareille. C'est votre dernier mot? Le dernier. Bon. Eh bien, contrainte et forcée, j'abandonne. Ah, ben je suis content. Alors là, je suis content. Hein. Et je suis sûr qu'en trouvant M. Chabrier, vous allez trouver un terrain d'entente. Oh oui, le cimetière pour moi, c'est sûr. Mais non, vous dites ça. D'ailleurs, je me demande si vous et M. Chabrier êtes vraiment sérieux. Hein? La preuve, est-ce que pendant ma promenade, vous avez acheté vos fameuses truites? Ah oui! Mais c'est idiot! Ça m'est complètement sorti de la tête. Mais voyez, incidemment, vous n'aviez pas l'intention de passer à l'acte. Vous avez fabulé. De toute façon... Les femmes rêvent un jour ou l'autre de tuer leur mari. Après, elles passent à autre chose. Elles démarrent une analyse ou un adultère. Parce que, entre nous, un psychiatre ou un amant, c'est la même chose. C'est un type qui vous écoute parler et qui n'en a rien à foutre. Bonsoir. Et bonsoir. Vous avez vu, l'ascenseur est en panne. Encore. Mais oui, je l'ai vu. Ah, il est toujours vivant. Alors, comment ça va? Oh, bien. Très bien, même. Super. Eh oui, Georges a beaucoup de chance. Il peut se permettre d'aller bien quand les autres vont mal. Catherine exagère. Je n'en suis pas encore là. Oui. C'est ça! Dites donc, vous mangez à tous les râteliers? Elle vous appelle Georges! Vous l'appelez Catherine! C'est quoi ce bazar? Ça s'est fait comme ça, incidemment. Méfiez-vous, hein! Se montrer proche du prolétariat est une tactique de la bourgeoisie. Plus on trouve son patron sympa, et moins on a envie de le combattre! Oh, ouais, ce soir, mademoiselle Duménil, hein, la répartition des richesses, comment ça, hein? Bonsoir. Salut. Et alors quoi? Ah, mais c'est-à-dire que... La journée a été bonne, le CAC 40 se maintient au moins. Moi, personnellement, j'ai réussi ma journée. J'ai
j'ai sauté par-dessus le portillon, ça m'a fait économiser un ticket de métro. Et comme disent les milliardaires, il n'y a pas de petit profit. Bonsoir, Philippe. Pas trop fatigué? Non. Des ennuis, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tendu. Alors, je sais. Il a travaillé que 12 heures aujourd'hui. Tu es en manque, c'est ça? Non. Non. Des ennuis, je te dis. De quel genre? C'est grave? Eh? Je te dis, c'est grave? Oui, oui, peut-être, oui. 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 C'est. C'est les ouvriers de l'usine de Hong Kong, voilà. Oui, ils menacent de faire grève, voilà. Les Chinois, ouais. Faire grève, ouais. Ils ne savaient même pas ce que c'est. Ouais. Tant qu'ils sont comme toi, tant qu'ils n'ont pas fait leurs 15 heures par jour, ils ont l'impression d'être en vacances. Hé, hey, ils demandent quand même pas l'augmentation, sans avoir conscience de tout le sacrifice que vous faites pour leur verser un salaire de misère. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, je posais une question. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Je fous que je viens boire un coup. C'est moi qui lui ai dit de venir pour parler de Monsieur Morin. Mademoiselle, j'ai un grave problème culinaire à régler. Voulez-vous m'aider? Avec plaisir. Allez, Philippe, mais détends-toi. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Allez, tu verras. Après un bain chaud, tes Chinois te paraîtront désopilants. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon sang? J'ai pas pu. Je voulais. Oui, d'accord, mais écoutez, vous m'avez donné votre parole. Je sais, mais rien qu'à l'idée de... Mais j'ai pas pu. Tu parles, de toute façon... Quand j'ai vu qu'on m'appelait pas au bureau. Désolé, franchement, je suis désolé. Oui. Eh, vous avez essayé au moins? Mais non, même pas. Mon honnêteté s'est complètement révulsée. Votre honnêteté? Hein? Votre connerie plutôt, oui? Ah, là, je me suis en faux, hein? Ouais, de toute façon, honnêteté, connerie, ça va souvent ensemble. Oh, je suis pas d'accord. L'intelligence est une chose relative. On est toujours le con de quelqu'un. Oui, mais ce que vous pensez, vous n'avez rien à foutre. Voilà. Non, c'est fait, bon, excusez-moi. Voilà, bon, vous avez flanché, c'est pas dramatique. D'accord, bon, dites, Morin. Et si on remettait ça demain, hein? Demain, après-demain, l'année prochaine, impossible. Oh, bon sang, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Hein, moi, je me décarcasse, hein, à aider votre fils, hein, à tout faire pour que demain, voilà, monsieur se débile. Hein, monsieur Mignet. Franchement, vous savez quoi, Morin? Vous serez jamais riche. Voilà, vous serez jamais riche. Voilà, même mieux. Hein, vous finirez indigent et malade. Voilà comment vous finirez. Voilà, même mieux. Vous aurez littéralement de SDF dans le trou, sous le carton. Voilà, même comme soir, vous aurez des jeunes fascistes qui viendront s'installer sur votre tombe à faire péter les capsules de bière et à brailler des chants nazis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, rien. Je vais tailler une bavette avec monsieur. Ah, oui, pour éviter qu'il se rebarre de comprimés remboursés par la sécu. Ah, bon, si vous voulez, moi, je vais prendre un bain. Ça me détendra. Dites un bain, moi je compte pas passer la soirée ici, moi, hein. Oh, mais si mademoiselle ne veut pas rester ici, mademoiselle a qu'à remonter dans son gourbi. Bonjour, la courtoisie. Excusez-le, mademoiselle, en ce moment, il est un peu tendu. Autrefois, la politesse d'un homme pour une femme était chose naturelle. Et maintenant, un couple rentre quelque part, le type passe devant et la femme se prend la porte sur la gueule. Remarquez, moi, en un sens, je me marre ici. Ah bon? Vous me trouvez marrant? Oh oui. Dis donc, Catherine, qu'est-ce que c'est que cette odeur de poisson, là, dans la salle de bain? Hein? Ah bon? Ça sent? Ça sent? Ah! On se croirait dans un chalutier! Ben, figure-toi que... Que?
Mais figure-toi que... Que? Bon, alors, comment t'expliquer le plus simplement possible? J'achète des truites pour dîner, je les mets dans la baignoire. Des truites dans la baignoire? Oui, pour qu'elles restent plus fraîches. Et alors là, je ne comprends pas. Oui. Elles m'ajoutaient joyeusement, quand tout d'un coup, une sorte de malaise, les ventres en l'air. Trop de calcaire dans l'eau, je suppose. Oui. Mais rassure-toi, hein, je les ai jetées. Ah, oui. Non, on ne pourrait pas manger des truites farcies au calcaire. Non, des truites dans la baignoire. Mais je comprends pas que ça sente. Ah oui. J'ai vaporisé de la lavande. Ah ouais. Alors lavande et poisson. Eh bien, faut aimer, hein. Catherine. Georges, mademoiselle, rendez-moi service, s'il vous plaît. Les chips, dans la cuisine, placard de droite. Mais comment donc? Et vous voulez que je mette combien de temps pour les trouver, vos chips? Une minute, ce sera bien. Merci. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez acheté vos truites? Oui, je les ai essayées et ça marche. Mais vous m'avez dit que vous abandonniez le projet. Pour que vous me foutiez la paix. Il va me tuer. Mais vous pouvez comprendre ça, vous pouvez? Mais je ne peux pas être avec vous. Mais je ne peux pas être avec vous, moi. Et moi, je ne peux pas reculer. Mais si vous voulez me dénoncer, dénoncez-moi. Lui sera mort. Moi en prison. Et votre petite conscience sera soulagée. Mademoiselle, s'il vous plaît, nous vous attendons. Voilà, voilà. Les chips de madame sont à votre service. Merci. Dites donc, le coup des truites, des rivales sur le dos. Génial, il fallait y penser. Et les rapports humains à l'appartement. Bon. Alors là, super. On se croirait devant un match de boxe. Franchement, c'est intéressant d'étudier les étages inférieurs. Oh. Whisky? Ok. Monsieur Morin? Oui, vous pouvez pas... Vous... Mais si, je peux vous servir. Un whisky? Oui, là, merci. Santé. Santé, santé, buvez, buvez votre whisky, c'est bon. C'est l'heure de la prière. Comment votre travail? Très bien, merci. Vous faites du syndicalisme, c'est ça? En plein dans le mille. Et ça vous mènera à quoi? À la révolution. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un malaise. Ça va pas, vous êtes malade? Attendez, non, ce n'est rien, je vous dis, ce n'est rien. Vous voulez un verre d'eau ou autre chose? Non, je vous dis, ça va passer. C'est sûr, hein? Mais oui, je reste. Seul un instant. Oh. Dans un moment, il n'y paraîtra plus rien. Mais on va appeler le médecin. Mais non, je vous dis. Mais en revanche, rendez-moi service. Oui. Les pizzas dans le four, sortez-les, s'il vous plaît. Et coupez 20 tranches de saucisson. Ok, ça marche. On y va. Allez. Voici, c'est pas lui, c'est moi. Je pense. Doucher, rien, c'est mieux. Désolé pour me tomber des mains. Je l'ai fait. Ça va mieux? Oh. Oui. Ça va mieux, oui. Vous. Oh, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Je restais seule. Vous avez vraiment... Oui, je me suis vraiment reposée. Oui.
On dirait un film muet. Avouez, vous nous ferez rigoler une autre fois. Hein. C'est pas le moment. Hein. Bon. Philippe, hein? Allez, oh. Ne tarde pas trop quand même, on t'attend. Le toupet. Ah, vous savez, mon mari, quand il est dans son bain, alors... Hein? Oh, mais c'est normal, après une dure journée de fausses factures, licenciement abusif et pot de verre. Vous ne changerez donc jamais de sujet, vous. Les exclus ne pensent qu'à une chose. Ils sont exclus. Mais comment, pourquoi les pauvres attachent tant d'importance à l'argent? Alors, si c'est si peu important, hein, on se demande bien pourquoi les riches font tout pour le garder pour eux. Non? Bon. Mais je remonte chez moi, je suis pas capable, je me sens pas capable. Mais capable de quoi? Oh! Restez ici, Georges. Vous avez fait une bêtise hier. Et là, je vous ai entendu. Mais vous ne pensez pas qu'on va vous laisser seul? Maintenant, si? Je remonte chez moi. Restez ici, je vous dis. Et si vous insistez, je vous attache sur une chaise. C'est clair? Eh bien quoi? J'ai du noir sur le nez ou quoi? Bon alors, ça vient ce whisky là, faut que je le fasse moi-même. Bon, dis donc vous là, c'est vous qui les mettez dans cet état là ou... Oui, je vais arriver de retrouver la maison marrante et du coup il faut... Tout pour être le plus drôle possible. Oh, je m'en... J'ai la barre qui revient, là, j'ai la barre. Oh, vous, de toute façon, vous n'étonnerez jamais personne. Vous êtes toujours malade, hein? Dis donc. Hein? Monsieur peut bien remonter chez lui, maintenant qu'il a fini de manger le pain des riches. Hein? Et vous, quand vous serez dans votre gourbie, si l'envie vous prend de mettre le gaz, surtout n'hésitez pas! Non mais vous arrêtez de lui parler comme ça, si ça se trouve, il va nous refaire une cagade. Et alors, c'est pas parce que monsieur a vaguement failli mourir ici hier, hein, qu'il peut se permettre de squatter notre appartement, hein? Parce que, figurez-vous que moi aussi, il y a quelques minutes, j'ai failli mourir. Oui, parfaitement, j'ai failli mourir. Et comment vous expliquez ça? Mais je sais pas. J'étais dans mon bain, là, tranquille. Avec le radiateur à côté, là. Bon. Puis je vois ce qui s'est passé, pof. Il t'en met dans l'eau, dis donc. Alors d'habitude, je le brosse toujours. Mais alors aujourd'hui, on peut dire que j'ai un barré. Ah, ouais. Pour une fois que j'avais, je le brosse pas, et pof, il tombe dans l'eau, dis donc. Ah. Et alors? Eh bien, alors je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait. Alors du coup, mademoiselle, vous savez quoi? Vous allez venir avec moi. Oui, bon, vous allez venir avec moi si j'ai besoin de conseils, voyez? Je vois pas pourquoi j'aurais un avis sur la question, moi. Vous savez quoi, mademoiselle? Je vais vous dire. Dans le monde, chaque année, il y a de plus en plus de cons. Bon. Mais cette année, j'ai vraiment l'impression que les cons de l'année prochaine, ils sont déjà là. Les pauvres, ils font jamais avancer le monde, non. Par contre, ils sont toujours de bons conseils. Quand il s'agit des petites choses quotidiennes de la vie. Hein? Le jour où il y a la révolution, je vous attache des pains de plastique partout. Et je vous fais boum. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai bien flanqué le radiateur dans la baignoire, mais je pouvais pas deviner qu'il n'était pas branché. On peut dire qu'il en a de la chance, celui-là. Vous auriez fait ça à moi, le radiateur, il aurait été branché. Et moi... Mais vous avez raté votre coup. Tant pis. Il faut pas regretter. C'est préférable. Mais vous êtes inconscient. Vous savez ce qui va m'arriver à moi maintenant? Moi, je l'ai raté. Mais lui, il va réussir. Catherine, renoncez au divorce pour l'instant. Le temps de trouver une autre solution. Vous savez, une femme qui n'aime plus son mari, mais qui reste avec lui. C'est quand même assez fréquent. Ah, la différence, c'est que moi, je vais y laisser la peau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je ne sais pas et je ne sais plus. Eh bien, voilà, il n'y a pas d'explication. Le radiateur est tombé tout seul. Ah, c'est ça. Ça doit être ça, il est tombé tout seul. Ouais, voilà. Non, mais c'est fini, vos conneries, oui. Le radiateur est tombé tout seul. Non, mais franchement, n'importe quoi. Et toi, là, oui, toi. Si j'ai téléphoné à la police... Et si je disais à la police que t'as essayé de tuer ton mari? Moi, j'ai essayé. Oui, toi, parfaitement, toi, t'es une moins que rien. Voilà, t'es un tôle que tu vas finir. Eh bien, appelle-la la police. Mais bien sûr. Mais vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends? Appelle-la. Oui. Et moi, je vais avouer que tu as voulu me pousser sous le métro. Moi, je voulais pas. Oui, toi, parfaitement toi, parce que tu es un moins que rien, qui va toujours au plus manche, au plus minable, du fait que ça te rapporte. Tout, putain, je vais la tuer. Je vais la tuer. Même pas peur. Tu vas voir. Tu n'as rien dans le cœur. Ah, c'est ça. Tu n'as rien dans les yeux. Mais voyons. Rien dans la tête. Mais bien sûr, je vais la tuer. Quoi? Votre porte est ouverte. Mais foutez-moi le camp. Allez dehors, foutez-moi le camp. Et puis vous aussi. Allez hop, tout le monde dehors. Allez, vous êtes des minables, des microbes, que je vous vois plus, que je vous entende plus. Voilà, sans blague. Bon, ça va pas se passer comme ça. Tout à l'heure à l'avocat, maintenant le tout vive. Allô, Laurent. Oui, non, ça va pas. On nage en plein drame. C'est Catherine, elle a pété un boulot. Il faut absolument que tu l'internes dans ta clinique. Ah, oui. Comment ça? Quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle se roule sur le parterre. Elle bave. Elle règle le parquet, je sais pas, moi. Quoi? Ah, faut que tu l'examines. Mais puisque je te dis qu'elle a pété un câble, tout à l'heure elle s'est jetée la tête contre les murs. Mais oui, c'est que quoi? Faut que tu l'examines. Mais écoute, je te dis qu'elle est barjot. Voilà, que même elle a essayé de me tuer. Oui, elle a essayé de me tuer avec des truites. Oui, dans la mémoire. Quoi? Ah, quoi? Ah, faut que tu m'examines. Oui, bon, d'accord. Ah bon, ça, c'est pas possible. Bon, c'est tout bib alors. Monsieur le directeur. Quoi, encore vous? Oui, un drame, monsieur le directeur. Votre femme. Mais quoi, votre femme, elle est tombée dans l'ascenseur. La porte était ouverte. Boum. On était énervés, et voilà. Alors bon, mais c'est grave. Morte sur le coup. Non. Mais si. Alors, on peut dire que j'ai la baraka, hein. Oh, putain, j'y vais. Stop, restez ici. Pardon? J'ai dit rester ici, c'est pas difficile à comprendre. Non mais vous délirez ou quoi? C'est fini la baraque à Chabrier. Dans un instant, la police sera là. Je leur dirai que c'est vous qui avez poussé votre femme dans l'ascenseur. Et pourquoi vous feriez une chose pareille? Oh, mais je ne le ferai pas. Si vous me donnez 3 millions d'euros en liquide. Ah ouais, c'est ça. Vous voulez me piquer 3 millions à moi? Hein? Espèce de petit merdeux. Vous savez à qui vous adressez? Vous savez qui c'est que vous avez en face de vous? Mais oui, certainement. Hey. Je regarde et je vois un type qui va s'écraser. Parce que la vie, c'est comme ça, Chabrier. C'est le plus fort qui gagne. Pauvre minable. Oh, il est minable.
Dites, et pourquoi je ferai ça, hein? Pourquoi? Vous avez réfléchi deux minutes? Votre femme voulait divorcer en emportant la moitié de votre fortune commune. Elle avait pris rendez-vous avec son avocat, c'est vérifiable. Ah oui. Enfin, monsieur Morin ne peut pas dire des mensonges pareils. Hein? Surtout quelqu'un comme vous, d'aussi... Morin. Chabrier. Oui. La ferme. Oh. Mais vous êtes dégueulasse, là, hein? Ah oui, alors là, un gros dégueulasse. Je sais, c'est beaucoup plus excitant de piquer l'argent aux autres plutôt que de se crever 8 heures par jour pour en gagner. Des minables comme vous, j'en ai dégommé des centaines. Oui, oui, oui. Et ces 3 millions, vous les aurez jamais. Jamais. La chance, il faut savoir la saisir au bon moment, Chabrier. Une seconde avant, c'est trop tôt. Et une seconde après, c'est trop tard. Pauvre minable. Pauvre minable, vous savez quoi? Oui. La mère du Ménil et le voisin. Ils y étaient aussi sur le palier, ils ont tout vu. Et ils diront que vous êtes un sale petit menteur merdique. Voilà ce qu'ils diront. Ouais. Vous vous trompez, monsieur Chabrier. Vous vous trompez complètement. On a tout vu. On a vu que vous avez violemment poussé votre part à la vide. Mais c'est pas vrai. J'ai pas bougé d'ici. Si, c'est vrai. C'est tellement minable qu'il va falloir en parler à la police. Mais c'est faux. Non, 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 c'est pas fait. Non, j'ai jamais fait une chose pareille. Nous savons que vous êtes un ignoble personnage. Non, non. Cette pauvre madame Chabrier, elle s'est accrochée à la grille pour vous résister. Mais vous l'avez frappé. Non. Vous l'avez gêné. Non. Vous l'avez traîné. Non. On a essayé de le pendre. Mais vous étiez comme fou. Non. Et vous l'avez poussé le septième. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas fait un truc pareil. C'est pas, c'est faux. Enzé, c'est Morin, dites quelque chose, c'est pas vrai. Ta gueule. Ta gueule. Je me sens pas bien. Ouh, j'ai du mal à respirer. Non, non, non. Non, trois briques pour moi. Hop là. Et une brique pour vous. Ah non, non, mais non. Ah. Sinon, c'est la police, Chabrier, c'est la police. Oh, non, et une brique pour vous. Ah ben non, ben non, ben non. La police, Chabrier, la police. Ouh là là. Moi j'ai pris un pied, ma barre. Ta gueule. Ta gueule. Si j'avais su, eh bien j'aurais commencé plus tôt.
interprété par, en vedette américaine, Maurice Sutra. Elisa Lotti. Sont toujours exigées. Elle est l'assurance tout risque de tous les acteurs. J'ai nommé la souffleuse Maïté Piton. Alors, les facéties du metteur en scène ne compliquent que la tâche aux techniciens. Mais ils y répondent avec beaucoup de bonne volonté, de gentillesse et de bonne humeur. Ils ont réalisé les décors, les peintures murales, les sapins. Je les appelle tous Hubert Bricourt, Daniel Favre, Michel Lé, Maurice Sutra, Gilles Moron, Nicole Moron, Christian Marie. On peut les applaudir parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Et Jean-Louis Piton a pu participer avec moi, Estilia. Et nous a permis d'avoir le confort d'une doublure. On n'avait pas, mais ça c'est bien. Sur tous les rôles, et après en charge les accessoires de Jeanne Marie, c'est Florent Ballot qui. Pour finir, il y a tous ceux et toutes celles qui nous ont accueillis, et qui vous ont accueillis, pardon, qui vous ont servi. Je crois qu'ils sont restés au fond, s'ils sont là, qui montent sur scène. On les accueille avec plaisir parmi nous. C'est Stéphane Mournier, Aurélie Drapeau, Jacqueline Gaillot, Elisabeth Pierrodon, Marine Bricourt et Marie-Christine Barthes. Avec le plus de paix possible pour vous, vos familles et le monde entier. Et on vous remercie encore.